Quand on est initié, ce qui est convoqué, c'est à la fois l'aspect symbolique, mais aussi l'invisible. Donc c'est difficile pour moi de vous raconter. Par contre, ce que je peux dire, c'est que les initiations dans le vaudou, elles ont toujours un lien avec le fait de se perfectionner soi-même et de travailler avec les éléments de la nature visibles et invisibles. Quand on parle de vaudou et qu'on vous pose la question, quelle est la définition que vous donnez du vaudou? Alors, ma définition, qui est assez personnelle, elle consiste à dire que déjà, ça n'est, pour moi, ça n'est pas une religion. Parce que j'ai cette phrase qui me vient en tête, hein, qui m'a beaucoup marquée, qui était de dire « Le vaudou, je n'y crois pas, mais ça existe. » Croire, c'est la relation verticale entre soi et son Dieu, quel qu'il soit. C'est la religion, la croyance, la foi. Et ça existe, c'est cette relation au monde, cette relation en système, à la nature, aux ancêtres et à l'invisible. Donc pour moi, la définition du vaudou, finalement, c'est une vision du monde intégrée. Pour vous aider à vous défaire de tous les mensonges qu'on vous a débités au sujet du vaudou, je vous propose une trilogie fondamentale. Vaudou, je me souviens. Et si les lois n'étaient pas des diables? Et enfin, vaudou 101, une spiritualité moderne sans sorcellerie. Ces trois livres sont disponibles sur mon site web www.jeanfissemi.com ou sur amazon.ca. Une trilogie à lire et à avoir dans sa bibliothèque personnelle ou familiale. Parti de rien et défiant le monde. Toussaint Louverture confondit sa vie avec sa conquête de liberté. Comme Bonaparte, pourtant son geôlier, Toussaint Louverture incarne le triomphe de la volonté sur la fatalité. Né dans l'esclavage, mais ayant reçu la nature d'un homme libre, selon ses propres mots. Né vers 1743, sur une plantation de Saint-Domingue où la captivité, le labeur et les maladies faisaient succomber les esclaves avant leurs 40 ans, il savait la griffe du fouet sur la chair et la douleur des entailles sur la peau. Il découvrit aussi que ses parents, venus de l'actuel Bénin, avaient été séparés au moment de leur asservissement. Il éprouvait comme orphelin de mère la violence de l'esclavage qui détruit toute dignité et remplace par la chaîne des maîtres les liens de la famille. Toussaint Louverture transforma cette condition en ambition, car rien ne l'effraya jamais. « Frappez, si vous osez », lança-t-il un jour au gérant de la plantation. Toussaint Louverture avait montré sa trempe. Il se révéla dans toute sa force de caractère et l'acuité de son intelligence. Le gérant en fit son cocher, bientôt son second, et le mena vers l'affranchissement. Un nouveau regard sur Toussaint Louverture, le magnifique et le sublime. La toute dernière biographie de Toussaint Louverture, l'homme, le stratège, le politique, le gestionnaire et le visionnaire. Un livre à lire et à relire en vente sur mon site www.jeanfissemi.com ou sur amazon.ca. Un nouveau regard sur Toussaint Louverture, le magnifique et le sublime. Procurez-vous votre exemplaire maintenant. Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir.
L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompé pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noires réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait ? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le chérir, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en trois langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en trois langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous, de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. Bonsoir tout le monde, nous comptons croiser avec vous à souhait encore, chaque semaine dans le Sahara, pour nous parler, pour nous avancer. Nous avons fait un petit test de son pour nous assurer nous que vous tendez nous, si vous tendez nous bien, nous un petit pouce en l'air, et puis pour nous continuer à avancer. Voilà, nous comptons. Nous dit tout le monde à la ronde badé merci parce que nous là tant que chaque mercredi dans le Sahara côté que nous pourrons parler pour nous avancer. Évidemment à soir n'a pas tiré aller sous ça nous ouais cap fait là en Haïti et me pas cacher d'où ça fait là c'est pas une mauvaise chose parce que même dans un état de droit, et nous pas dans un état de droit, même dans un état de droit, dis-je, la légitime défense l'y reconnue. Tout pays de droit reconnaît moi droit pour me défendre tête moi lorsque vie m'en danger, lorsque sécurité pam ou sécurité pas moun qui cher à moi-même. Li en danger. Or, depuis au moins 3 ans, pour ne pas parler d'une accélération dans la question kidnapping, ça, dans la question rentrer la caille moun, attaquer moun, eh bien, depuis au moins 3 ans, notez, ouais, en Haïti, c'est moun de bien qui peut bandit. C'est-à-dire, c'est moun qui a quitté caille pour bandit. C'est monsieur et madame tout le monde qui a couru parce que au peuple bandit. Et là, en comptant, vent commence à virer. Faut que tout le monde, et m'a dit, sans que m'a mette de l'eau dans la bouche, moi, faut que tout le monde prend ça qui en bas main pour défendre tout. Ça, c'est clair.
que personne monde pas tout à coup vienne jouer à la Vierge offensée. Come on now. Le CT ou même yot a kidnappé, personne monde pas te parler de valeur morale. Pas vrai? Le CT petit pao yot a violé, personne monde pas te évoquer question de valeur morale. Mais voilà que qu'on y a, on dit bon, puisque pas gain l'autre monde pour défendre moi, n'a pas parler de l'autre monde ça oui, de l'État. Puisque pas gagner l'autre monde pour qui défendre moi, eh bien j'ai l'obligation, son obligation gagner pour défendre tête tout. Pas parler de vengeance. Dans un état de droit, il fait clairement différence entre vengeance qui est condamnable et légitime défense qui hautement recommandée. Et dans la situation à vivre là en Haïti, hein, c'est légitime défense liée, dans le sens que si ce n'est pas moi qui attaque les bandits, hein, la tue. Si ce n'est pas moi qui riposte, la viole petite moi. Si je ne pas riposte, la prend bien moi, alors je riposte, ça c'est légitime défense. Pas quitter personne monde. A vin essayer bon yon moral de 5 sous a vin bon Dieu sans confession. Non. Alors, nous bien connaît ça pour nous faire ou gon roche file li ou gagne yon couteau file li ou gon manchette file li nan ki bu pour ou défendre tête. Tout pays reconnaît ça. Yon moun aux États-Unis, yon gon principe qui relè stand your ground. Gon moun ki vin passe sous territoire ou nan lèl pa dwe passe sou santou en danger ko tire l'état américain pa forain au Canada kote ma vive si on moun a flâné entre 6 heures du soir enfin en gros 9 6 heures du soir jusqu'au lendemain matin sans que ou pas bal permission pour ça et que la erré sous territoire ou qu'on sent en danger et qu'à un moment donné moun nan mette vie en danger riposter c'est légitime défense liée et ça n'a pas les deux pays côté qui gagne l'état n'a pas les deux pays côté que l'on subit yon dommage l'on subit yon injustice ou capable traîner moun nan devant tribunal ou bien l'état lui-même prend en charge pour lui juger moun nan. Et pas son gen là en Haïti. En Haïti, ou gon premier ministre qui dit moi m'baga fanyen, m'aptan blanc vin envahim. Ou gon ministre de la justice qui pas même émettre yon mandat de d'arrestation contre moun kap atake moi même avec ou. Nou gen yon ministre de la sécurité publique qui pas levé le petit doigt. Ou gon chef de la police qui a gardé pour un policier, donc troupe li a tombé, qui pas fanyé, sinon qu'elle fait chelben dans un thème. Lors nos situations comme ça, ou nos situations de tyrannie, c'est où que mettez tête ou avec voisin qui fait brigade de vigilance pour marcher, prendre bandit. Maintenant, gagner trois catégories de bandits, et m'batare mais son seul qu'on prend. En nous fait typologie ça pour comprendre avec qui bandit ou en a fait. En nous commencer avec bandit ko wè yo, c'est yo qui gen zam nan men yo, mais au fait, yo coupable vrai, fort ou défendre tête ou par rapport à yo même, mais yo pas seul coupable. En nous prend exemple. Yo moun tankou ti makak que yo dit que mouri pendant semaine. Ça fait rire. Et tout l'autre ti makak doit mourir même gens. Mais, ils sont remarqués. Grosse âme, ti makak gen nan men li yo. Quantité munition que li même avec l'autre vagabond tan kou li yo gen. C'est pas ti makak qui voyage à l'acheter aux États-Unis. Qui pa gen visa États-Unis. Et que je sache, ti makak peut-être pour que j'en prenne avion quitte Haïti. C'est pas ti makak non plus. Kal nan frontière République Dominicaine nan pour aller chercher zam nan nan point de passage entre République Dominicaine et Haïti c'est que gen des moun qui achetaient zam nan qui négociaient zam nan
avec fabricants aux États-Unis qui fait rentrer en Haïti, soit par port privé, deuxième catégorie de vagabonds, ma pral palo là, ou bien il y a des gens qui ont contact dans la frontière République dominicaine avec Haïti, hein, qui fait zam ça au passé jusqu'à Timaka. Deuxième catégorie de criminels ça yo font marcher prend yo tout. C'est ça le relé bandi à cravate. Nous connaît gros paquet saloperie. D'ailleurs dit lui Renault dit te dit écoutez, pas gen l'autre tactique pour nous adopter sinon que armer tel groupe contre tel autre groupe pour que yo tellement goumé yon l'autre pour que nous pas gétant faire business. Renault Dib, Bossan, qui l'autre encore connaît yo, tout saloperie ça yo. Ça veut dire moun mais Ronnie Célestin. Nous pas songe te gagner yon camion zam qui quitté frontière Saint-Domingue qui après rentrer en Haïti, puis le moun yo al chercher connaît qui ça qui dans camion, puis on dit ça c'est marchandise que Jude enfin comment le relé, Ronnie Célestin a fait rentrer en Haïti. Mais lui-même, tout son saloperie lié. Donc, nous ne sommes pas capables de marcher prendre si Macac, de marcher prendre si Lapli, de marcher prendre Iso, pour nous quitter les gens qui ont fait commerce d'âmes, qui ont mis des âmes dans les gens, ça ne va pas marcher prendre. Autrement, si nous juste tuer si Macac avec raison, nous juste neutraliser Iso avec raison. Mais moun k ap mete zam nan men yo a, nou pa atake yo. Donc vagabon sa yo après le remplacer Timakak, y a pas le remplacer Iso, y a pas le ramasser, y a pas le remplacer Chris là. Faut nous piéger moun k ap ba zam nan, atake yo tout. Et nous konnen yo pèp ayisyen. Puisque nous gon l'état qui pa fè service de renseignement, puisque nous avons l'État qui n'a pas fait service de collecte de renseignements, nous-mêmes nous connaissons, il faut faire ça au prix, ça yo payer tout. Ça, c'est la deuxième catégorie de vagabonds. Mais la troisième catégorie de vagabonds, bon, nous disons bagaille. Dans tout pays, si Macac, Genzam Namel, il a arrêté, il a fait dit qui est-ce qui bat les âmes. Moun ki bal zam yo, yo tap arrêté yo tout. Et donc, ou tap traduit et ti Macac et moun ki bal zam yo devant justice. Maintenant, posez tête nous question. Si l'État pas fait job ça, c'est parce que ça qu'a fait là, li bon pour l'État. Ouvrez les genoux bien, peuple haïtien. Ou ça qu'a fait là, li bon pour gouvernement PHTK. Ou ça qu'a fait là, li bon pour Michel Martelly. Ou ça qu'a fait là, parce que c'est pour voir Michel Martelly. Ouais, ça qu'a fait là, li bon pour Ariel, parce que tout en nous terroriser comme ça, nous pas capable de marcher prendre. Ouais, ça qu'a fait là, li bon pour Emily Prophète, parce que, ou pas Emily Prophète, yon a machine l'État, y a fait comme yo, yon toute la journée dans pays étranger, y a bay conférence de presse comme si de rien n'était. Entre temps, ou même, il a volé l'argent parce que chaque temps il kidnappé ou bien il kidnappe en famille ou obligé vendre son pas gagner pour retirer mon dans kidnapping. Donc troisième catégorie de criminels ça yo faut marcher prend yo tout faut moun qui dans gouvernement commencer peur à tort voyez roche sou yo leur pas son côté, ça c'est clair. Nous nos situation de tyrannie faut nous défendre tête nous, faut pas gagner un ministre gouvernement Ariel là, Ariel lui-même. Faut pas gagner yon moun ki sous pouvoir ça pour qui en paix. Parce que si nous juste a fait justice sous Timakak, si nous juste a fait légitime défense sous Christ là, nous devons faire li. Mais nous pas attaquer moun ki bay Christ là yo zam tout, nous pas régler rien que là, c'est comme moun ki a ramassé de l'eau nan panier bambou. Mais si en plus nous pas attaquer mon gouvernement qui fait mes yeux sous bagay si la yo, nous pas régler rien. Donc on commence à m'a dit à rele révolution. Sous besoin mot qui propre, levé campelier. Nous filer manchette en nous marcher sous tout vagabond qui gen zam nan men yo.
nous levons manchette nous, nous marchons sous moun qui baille zam à vagabond sa yo, et nous filons manchette nous, nous marchons sous gouvernement qui fait mes yeux ça. Ça s'appelle une révolution. Et ouais, si vous faites ça, m'bon garanti. Tout discours que tu as gagné là pour Canada rentrer, bullshit. Tout discours que tu as là pour États-Unis rentrer, nous n'avons pas besoin ni Canada, ni États-Unis, ni la France, nous avons résolu le problème là. Dès lors que bandit a ses lits peur, qu'on a ses lits pour l'obliger à cacher, on va marcher sous. Il y a quelques bandits que vous obligez à tuer pour dire qui est-ce qui t'est bon zam là. Pour que avant de mourir, pour le dire, c'était un tel qui te bam zam nan. Ou entend nous dans quartier, ou piéger moun qui te bam zam nan, ou fout faire payer ça tout. Et puis l'État qui fait mes yeux sur ça, ou fout faire payer ça tout. Parce que même dire un bagay, bâton qui te bat chien noir, c'est lit pour qui bat chien blanc. Ou en ça nous est là, nous pas capable tout tourner pour n'a peur cacher l'ombrit. Come on now. Yo fait 3 ans à tyranniser nous. Yo fait 3 ans, yo mettait nous dans un système de tyrannie qu'on y a fait lever campé pour nous prouver c'est moun nouyé. Lors d'une situation de tyrannie, ou prends un mot. Pour qui ça américain? Hein? Lors d'une situation de tyrannie, constitution le bal droit pour le prendre zam, pour l'acheter zam livlé, pour le riposter à tyrannie, c'est pas grave. Est-ce qu'on connaît que Américain à l'église avec Bible dans mani, en puis zamli pour si ou attaquer pour le riposter. Gen pasteur qui bénit zam de guerre là. Les sénateurs aux États-Unis pas peur afficher lors de leur campagne avec zam yo nan men yo. Pour qui ça nous même noir, nous pas cap camper avec machette nous. En puis qu'on y a dès lors qu'on ne peut pas manger tout, ou pas le des monde qui pourra le vendre nous, y a un petit moral à 5 sous, mes amis, regardez là qui stade nous arrivé. Mais non. Côté nous arrivé là, c'est début, y a une relance. Le c'est bandit qui a fait monde de bien courir, c'est là ça va descendre. Mais le c'est monde de bien qui a couru, derrière bandit, c'est monter ou pour remonter. Écoutez mon d'ordre là clair. Gagner 3 catégories de bandits. 3. Ti Macaque, Ti Lapli, Iso, Nextayo, ce sont des utilisateurs des armes. Yo criminels, oui. Mais en deuxième catégorie, c'est vagabond qui mette des armes dans main. Nous connaissons les Ronnie Célestin de ce monde, les Bossans de ce monde, les Ronnie Zib de ce monde, les Bidjo de ce monde, les Michel Martelly de ce monde. Tout vagabond qui armé, moun yo, faut marcher pour tout pour que pas en paix. Et la troisième catégorie de criminels, c'est le gouvernement qui fait mes yeux sur ça. Capitaine Blanc vient protéger pour voile, en pile dit pas qu'à faire. Faut personne monde qui dans le gouvernement pas en paix. Faut personne monde qui a négocié achat d'âme pour la guézame dans le métier de l'appli pas en paix. Et faut il l'appli, si iso, si macaque, si cochon, si bœuf, yon pas en paix tout. Prends manchette ou, prends couteau. Quel que soit son gagné, pral, ça s'appelle de la légitime défense. Et si on levait campé comme ça, tout partout, ça s'appelle une révolution. La propose, c'est de ça, oui, nous allons parler avec le professeur Claude Jodia, qui est psychologue, qui s'est spécialisé dans affaire mouvement de foule, font y campé, partager live là, tout partout. Nous allons commencer la classe là tout à l'heure. Restez là. N'a tourné vin jouer nous, partagez live là tout côté. Merci. Avez-vous entendu parler de l'événement le plus excitant de Bonne nouvelle, toute émission Lumière sur le monde yo, ensemble avec émission An Palé pour avancer, yo konnyea sous podcast. Ça veut dire que pendant on travaille, pendant on a machine ou pendant on fait cours sous cellulaire ou sous tablette ou ou qu'à continuer à écouter émission yo sans qu'on pas rester campé devant ordinateur parce que désormais yo sous podcast. Qu'on trouve yo sous Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher et sous toute l'autre plateforme qui bail podcast yo. Son gros nouvelle,
Désormais, au cas coûté, émission Lumière sous le monde, ensemble avec émission An Palé pour nous avancer en podcast. Kembela, n'avancez. Eh bien voilà, nous retournons dans la classe là. Nous gagnons un gros professeur à Souéa, qui est à la fois psychologue et théologien. Ses amis, nous pourrons le prendre sans nous pour nous présenter lui en bonne et due forme. Non, c'est Eddy Eustache, qui a une formation universitaire lié en philosophie et en théologie au niveau de la licence. Ensuite, il fait une maîtrise en psychologie du counseling dans les universités d'Ottawa et Saint-Paul d'Ottawa. Études doctorales à BIU, Brigham International University, côté que l'IT spécialisé lit en psychologie clinique. En plus, là, il cherchait d'autres formations en acutraumatologie spécialisée en acut détox. Père Eddy Eustache, qui a pile expérience, n'a fait dans le secteur psychosocial, et il était enseigné à faire psychologie tout dans l'université d'État en Haïti et surtout à l'hôpital universitaire de Mirebalais, programme de formation en spécialisation pour médecins et infirmières et infirmiers. Son plaisir pour me capable accueillir la soirée, Zami Moué. Nourilil Pédi. Pédi, frère homme, comment vous êtes? Je suis content pour m'accueillir dans la classe à souhait. Comment vous êtes? Assurez-vous qu'on ouvre le micro. Oui, on fait ça déjà. Bonsoir, d'accord. Jean. Bonsoir, tout auditeur, spectateur, tout le monde qui est branché pour participer dans rendez-vous chaque mercredi soir avec le docteur Jean Fizemé. Je vous dis merci pour l'honneur ça qu'on fait moins. Pour peut-être recevoir et m'espérer que à soir on a besoin d'une opportunité pour nous capables brasser l'idée, échanger la parole sous situation yo et pour nous garder qui ça surtout l'histoire montre nous par rapport à problème ça yo. Pedi, on nous commencer non. On va remarquer comment le psychologue en vous-même ou ouais riposte que yon parti de population commence fait par rapport à bandi yo. Comment psychologue là en ou lire manifestation sa yo? OK. Si n'a pas rentré dans la science psychologique, Jean, l'esprit yon moun, le l'exposé à yon danger, en général, ils vont partir dans le cerveau, hein? Ça nous relève surtout partie système limbique là, qui mettait mon nom dans une position pour le réagir. Des fois, qu'on y a deux, qu'on y a trois façons. Première façon, hein, c'est ou bien mon envie courir. Il prend la fuite. Ou bien il rete, il frise, il glace, il pas contre si pour le courir, si pour le camper. Ou bien tout, il mette en position pour le gouverner. Il parle surtout de fight or flight response. Quand parle anglais. C'est ou bien mon nom mette en position pour le gouverner, ou bien le courir parce que il peut. L'endanger. Ça, c'est situation. Ça. Et vous voyez ça en pile fois que c'est la caille individu, que c'est la caille groupe, que c'est la caille des masses. Et des fois, vous voyez, vous n'avez pas oublié que vous avez un groupe monde qui est exposé devant une situation, vous avez un sacré effet domino. Ouais, par exemple, il y a effet de masse là, il y a un monde courir, tout le monde levé courir. Il y a pas qu'on est même qui côté au pralé. Des fois, il y a pas même ouais danger.
Mais le fait que yon monde, deux, trois monde l'évêque, oui, nous, ouais, ça fait. Ça, c'est la première réaction que mon yon gagne. Mais, c'est pas tout là, c'est pas tout temps. Tout mon yon a pas accepté courir. Après un certain moment, on vient joindre une série de monde, et c'est là ça on parle, ouais, une question influence leader yo, monde qui a aidé mon yo prend conscience de situation yo, qui dit mon yo, oui mais pas oublier, nous ka goumen, nous ka grimper, nous ka camper pour nous. Et nous te ouais, pendant un certain moment mon yo était couru, mais je veux dire ouais, remarquez que quand il y a mon yo dépassé la peur, yo commencé à rentrer dans la logique fight là, dans la logique pour camper, pour camper goumen. Jean t'a dit ça dans le commencement dans l'éditorial là, dans le présenté dans le commencement de l'émission. Ça, les fêtes est comme si, et ou elle, le fait que y a quelques monde qui commençait à prendre conscience tout, qui commençait à montrer que y a qu'à camper pour y faire face à un danger que y a là dans nous, et ouais, qu'on dit à mon yo, il était commencé qui côté ça, il était commencé, il commençait canapé vert. Canapé vert, l'homme pas fort dans Port-au-Prince. Ah, okay. Juste dans des quartiers, oui. Même oui, pas capturés. Exactement. Quand il y a tout quartier à Dio, dans des tout quartiers à Dio. Quand il y a dans des Debussy, Debussy, c'est en route, Botiojo, etc. D'accord. Donc, même effet domino, dès qu'on joue devant la fuite là, ou qu'on joue et tout, non, effet côté mounio campé pour faire face à une situation parce que vous senti qu'il y aura un danger. Mais j'ai une question pour nous poser tête. Non, est-ce que mon yo t'a doué arriver là? Oui. Et c'est avant même que nous poser tête à nos questions, est-ce que mon yo t'a doué arriver là? Il y a une question qui vient dans notre tête en père et dit c'est ça, il y a vivre là, pas commencé ni hier, ni avant-hier. Qu'est-ce qui fait que le peuple là, te prend tout le temps ça avant de lui montrer type de réaction ça, et de nous comprendre comme psychologue. Il y a plusieurs facteurs, il y a plusieurs facteurs qui fait. Il y a des facteurs, on t'a dit presque, qui ont été dans la culture du peuple, mais il y a des facteurs, tout, par exemple, on nous prend question culturelle. Nous, Haïtiens, nous sommes peuple, et un peu le monde dit nous résilients. Il y a des gens qui ont le bien, il y a des gens qui ont le mal. Il y a des gens qui trouvent que nous prenons trop de temps pour nous réagir. Mais si on regarde dans l'histoire, nous, comme peuple, on a découvert que la révolution haïtienne qui est faite entre 1789 et 1803, pardon, n'est pas faite, ce n'est pas laisse à le commencer. Nous fait presque 200 ans en esclavage. Depuis les Espagnols ont commencé à mourir, comme c'est venu avec nous là, et nous prenons temps. Nous prenons temps. Et non seulement nous prenons temps, mais tant ça que nous prenons, c'est du temps pour te préparer des leaders. Reprends. De vous commencer dans Macandal, tout le monde s'y là, ou gagner toute une série de générations de leaders jusqu'à ce qu'on arrive dans Toussaint Louverture, de Toussaint Louverture, on va passer à. Une pensée à des salines, à la mort, etc. Donc, c'est un facteur ça, facteur culturel là, nous voyons que ça arrivait que nous prenons temps. Nous prenons temps. Tu prends temps pour l'idée émerger. Et dans le même contexte que ouais, ça, c'est parce qu'on a un phénomène social, et au cas où ça, chaque fois où on a un contexte de crise, et qu'on n'a pas de leader qui émergeait, en général, mon yo, yo prend temps. Temps. Parce qu'il n'y a pas de monde qui peut mener. Yo. Donc, question leadership là, l'important, si ma vie, canaliser l'énergie en peuple dans le lever campé. Ben, absolument, parce que faut que mon yo retrouve yo, dans yon monde, faut que mon yo qui peut supporter un discours, qui peut faire mon yo. Mon yo prend conscience. Mais des fois, tout, ou qu'on ouait les gens, parfois c'est les mon yo senti yo acculé au désespoir. Vous comprenez? Vous avez senti le coincé, vous avez senti le coincé. Tout bête, j'en ai modé. Exact. C'est là qu'on y a,
mon a sorti dans dynamique la peur pour le confrontation dans courage pour le capable accepter faire face à la situation j'en lié là et ça faut nous accepter mais il y a l'autre facteur tout qui entre il y a un facteur conscientisation facteur conscientisation il y a monde qui travaille ou des médias qui aident, des groupes qui aident, qui permettent que mon yo finisse par prendre conscience que si yo pas défendre yo et sur le contexte social là je dis à montrer ça si yo pas défendre yo pas des monde qui défendre et c'est ça qui fait que au cas ouais situation ça paraît un petit peu chaotique tout parce que l'État pas là pour, comme dépositaire de la violence, ou les violences légitimes, pour canaliser la situation, pour t'empêcher que mon mieux t'arrive dans le point côté, c'est eux qui peuvent défendre tête, parce que la sécurité en peuple, c'est pas lui qui baille tête, c'est l'État qui paye le monde pour ça. Il paye le monde pour, avec taxe pour protéger. Donc, en autour de la question, sur ce plan-là, qui ça fait nous arriver là? Bon, et. Le premier bagage qu'on gagne, c'est que il y a un effondrement de l'État. Effondrement de l'État, qui ça l'État? L'État, ce n'est pas seulement individu, mais son ensemble d'institutions. Un ensemble d'institutions qui garantit le fonctionnement harmonieux, fonctionnement dans l'harmonie, il y a un ensemble de citoyens. Mais l'État, il y a des fonctions. Tout. L'État il y a des fonctions. Et parmi les fonctions que l'État a gagné, on parle de fonctions régaliennes, c'est fonction pour protéger la population. Pour empêcher que yon entre eux pas tout l'autre. Sociologie a montré ça, et sous les Peter Berger, dans la théorie du contrôle social, dans le chapitre ça, on va prouver que la société a organisé de telle sorte que les gens ont problème, gain moyen ou pas pour contrôler ces citoyens. Pour gérer crise là. Pour gérer crise. Et nous connaissons les régions. Les régions c'est les mêmes pour tout le monde et tout le monde doit avoir accès à eux. Exact. Et c'est ça qui fait ouais un moyen de contrôle social le mettre en premier et tout, c'est la violence légitime que l'État doit gagner monopole. C'est l'État qui prend moyen pour capable protéger individu yon contre l'autre. Parce que c'est pour ça même qu'il y a un système judiciaire qui variait de droit romain, de common law, il parlait de justice au niveau de clans, de tribus, dans tout côté, dans le pays de l'Afrique, etc. Côté, il y a un problème posé et il y a un individu qui est en conflit au Chita et puis il y a posé problème là. Jusqu'à ce que, pour empêcher que l'envenimé, pour empêcher que l'envenimé vienne mal, et fait que mon yo vienne dans une situation côté, qu'on n'y a pas 40 ans, il y a pas la vengeance. Il y a sombré dans la vengeance, dans la vengeance. Exact. Exact. Donc, ça, c'est le premier aspect. Nous parlons de effondrement de l'État. Institution par là, pas qu'à faire travail. Mais non seulement vous parlez de effondrement de l'État, on rentre tout dans la banalisation du service public. Service public là perdu valeur parce que moun yo qui t'a pour bail population service là parce que yo pas mette yo là pour yo jouir d'abord. Yo là pour servir. Et ça yo jouir droit privilège que yo gagne yo, c'est après yo fin bail service. C'est après un service qui a bénéficié. Mais on joint ça qu'on a, problème qu'on a gagné, et ça, c'est actuellement, c'est reproche ça qu'il a fait. Il a fait Macron en France, côté où est une question de éthique politique qui fait que qu'on y a, le monde qui a dirigé, il y a plus de tendance pour passer intérêt personnel avant, et puis après ça, il reste intérêt population cabinet. C'est là qu'après le montre que ou laissant au pape diriger pour peuple ça qui a payé là. C'est là le problème qui vient poser. Et mon yo pas gagne monde, yo dit qu'on a pas gagne monde qui pour défendre yo. Yo pas gagne monde qui pour défendre yo, ou t'as parlé tout à l'heure de complicité passive et comme si tout le monde qui levait deux mains là dit yo pas capable faire rien etc. et puis bagala a dégringolé jusqu'à ce que l'événement situation que lié là. Donc ouais, c'est pas
c'est pas Jodia, nous toujours dit, c'est chemin bouton, chemin malin. Chemin bouton, chemin malin. C'est justement, c'est parce qu'on pas gagné l'État qui a une institution qui a campé pour défendre l'ordre. Et on a pas le droit, on n'a pas parlé de Sanorélé gouverné par le chaos. On ne parle pas de l'IAM, on ne parle pas de l'IAM, c'est l'ingénierie sociale. Ouais, comment l'autre a dit situation, peut-être chargé ça qu'il a, l'irranger. Alors, ça qui est arrivé là, Oudil, effondrement de l'État, un, deux, banalisation du service public, continuez, non. On nous garde des chemins boutons, chemins malignants toujours. Oui, c'est l'État faible. Dans tout pays, là, l'État faible, vous connaissez ça, c'est que il y a des groupes qui émergeaient avec de gros intérêts qui ont été devant, qui ont intérêts politiques, qui ont économiques, etc. Donc, à partir de groupes, eux-mêmes, ils ont baillé tête aux moyens pour être capables non seulement continuer à affaiblir l'État, c'est affaiblir l'État, parce que avec plus tu affaiblis l'État, c'est plus groupe Payo le renforcer. C'est et plus. Et nous ne pouvons pas mettre de l'eau dans la bouche nous pour nous parler. Ça, nous avons besoin de comprendre, c'est que ce qu'a fait là, arranger des groupes. Oui, ça nous avons fait là, il y a un groupe qui tire avantage là-dedans. Oui, bien sûr. Et c'est comme ça le toujours y est, dans quel que soit le pays. Dans quel que soit le pays, à chaque fois qu'il y a une situation de déstabilisation de l'État, d'effondrement de l'État, il y a des groupes particuliers qui profitaient de ça parce qu'ils ont tiré bénéfice de l'île, c'est parce que ça, ils ont renforcé la tête. Et dans la dynamique sociale, c'est comme ça le tout. Intérêt économique, mais politique. Maintenant, nous finissons, qui ça qui mène nous là. Comment peuple là capable de sortir tête li dans sa lie là? Est-ce que deux trois moun qui prend manchette dans tel quartier, m'pa konnen moi même dans canapé vert, dans Debussy, etc., est-ce que ça suffit pour renverser chaudière? Et de nous comprendre comment nous capable changer dynamique ça pour que nous pas dit tête en nous, OK, maintenant que Timaka soi-disant, tu vas mourir, ou bien deux, trois, l'autre, tu vas mourir, est-ce que ça suffit, ou bien est-ce que nous devons transformer ça en une opportunité pour bagayo changer net? C'est genre, mouvement social, ça, yo, et protestation, que nous avons les protestations, que nous avons les légitimes défenses, que nous, quel que soit, j'en aurais les là, yo, symptomatique de quelque chose. C'est symptômes yon mal qui a passé dans la société et que moun yo pou rejoindre ça chercher comme satisfaction et ça fait que des fois yo prend moyen ça. Donc situation ça, c'est pas une situation qui paraît du jour au lendemain, qui paraît comme si le pété. Ça c'est yon. Ça qui a passé là tout, il représentait une réponse. Qui gen pou certain moun kapab trouvé inapproprié. Comprenez? Gen cet moun kapab trouvé normal tout. Parce que ou joine ça, yo di yon peuple qui senti en danger et que le pa gen moun qui pou protéger li et vous appelez de droit à la légitime défense, moun sa yo gen nécessité pour yo protéger tête yo parce que les cinq conservation li nan tout même. Comprenez? Tout à fait. Pa ka kito tué. Et c'est ça, nous parlons en parlant de ça. De flee or fight. Exact. Gagné un collègue de travail, moi en Haïti, qui voyait un petit texte, moi, en question, madame. Et comme moun qui étudie bagay la Bible théologique, tu as gagné un disciple avec Jésus, tu as gagné un qui était dans l'âme, qui était blessé, il y en a un qui est venu arrêter Jésus. Est-ce que ça veut dire comment Jésus te fait accepter ça? Dis, mais c'est premièrement, le monde en danger, le monde senti en danger, premier réflexe, c'est pour le défendre.
c'est ça nous aurait de légitime défense là. Mm-hmm. Mais est-ce que le fait que mon attaquant ait un couteau dans mail et que le blessé au monde pour le défendre, est-ce que ça veut dire l'assassin pour ça? Je vais pas remarquer que on a qui dit l'assassin, hein? On a qui dit l'assassin, les connes pour qui ça le dit ça. Parce que mon ça, il tape d'accord que yon moun mon ça yo victime de oppression, mais il pas d'accord pour le défendre. Tout à fait. Ça, faut nous préparer, nous, pour... et c'est justice à deux vitesses ça, mm-hmm. ou bien morale à un sous ça, mm-hmm. tout en c'est pour vieux y a attaqué, y a kidnappé, y a violé petit yo. Mm-hmm. On dit mes amis, regardez ça nèg yo fait pays là. Le même monde ça yo connier. Yo viré vent, yo prend manchette yo dit non, on pas courir encore, m'a marché contre monde qui a attaqué yo, connait on pour attendre les moralisateurs publics là. Oui, mais même moralisateur public a pas jugé ça, mais l'on regarde morale, philosophie morale là tout ça tout. Philosophie morale là tout que l'un peuple est en danger, il pas de monde pour défendre, il est presque moralement acceptable qu'il le défende tête. Absolument. Moi-même avec vous qui étudiez Thomas d'Aquin, Rémy dit il faut un minimum de bien pour pratiquer la vertu. Priver de tout bien ou pas qu'à mander pour pratiquer la vertu, il est impossible. Mm-hmm. Donc réalité, c'est que je dis assez, c'est ça pour nos regrets. Si nous pour nos regrets, je dis assez, c'est comment on fait, arriver là. Comment nous fait arriver là? Nous pas d'où arriver là. Nous sommes mm-hmm. déjà. Mm-hmm. Pas d'où arriver là. Parce que dans la société, il y a des règles pour nous vivre. Il y a une façon pour nous comporter. Dans le rapport que nous avons avec l'autre, il y a une façon pour nous vivre. Mais là, il y a des rapports de domination, des rapports d'exploitation, des rapports d'oppression. Sauvage. Alors, le Sahara, et on va remarquer que Mounsayo n'a pas qu'à qu'une situation ça éternellement. Il n'y a pas qu'à mes situations éternellement. Et m'tap font une petite lecture sur la psychologie politique. Et puis, on a parlé de question, regardez ça, on a parlé de révolution. Et bien, il y a dit que révolution, c'est toujours des efforts violents, c'est vrai, comprenez, pour capable renverser une situation, un état de fait qui est insoutenable. Qui est insoutenable. Voilà, mm-hmm. le bon mot, c'est ça, qui est insoutenable. Que mon n'y a pas qu'à supporter encore. Par exemple, mm-hmm. si vous regardez la Révolution française là, de 1789 à 1999, qui s'alteye. C'est que vous avez gagné la monarchie, le 14, c'est comme nous, l'État, c'est moi, etc. Mm-hmm. etc. Tout le bagaille, c'est par la monarchie, etc. Mon n'y a pas découvert que bagaille ça, vous n'y a pas qu'à supporter encore, parce que vous avez gagné des mounes, que le thème était en bas, qui t'a travaillé du, c'est yo t'a pesé. Le tiers état. Et le tiers état. Donc, y a le peuple là, masse peuple là. Donc, il y a un bagaille qui fait, et puis il y a renversé la monarchie, il y a remplacé par la République. Une bagaille là. Si vous regardez la révolution américaine entre 1775 et 1783, c'est même bagaille là. Ouais. Comment? Il y a un roi en Angleterre, un roi en Georges. Exactement. Et puis, il y a vivi dans ce continent américain. Il y a trouvé que elle a arrêté en oppression pour qu'il n'y ait pas qu'à Kembe. Et puis, il y a pété bataille. Il y a pété bataille pour qu'il y ait capable de sortir de ça. Et c'est où il y a pu sortir dans la domination britannique là, il y a passé en modèle républicain. Ou bien même bagaille encore, c'est pour révolution haïtienne. Non? C'est comme si il y a dit que et après esclave ça au fin subit toute qualité martyr, toute qualité humiliation, toute qualité oppression en bas mais colon français yo. Et puis yo fait ça pour te faire et puis qui fait nous venons tout pays je dis maintenant pays dit yon peuple qui fait 1804 même si ou expliquez nous que 1804 pas devini en un jour te gen moment zabet maron yo qui défait le système, nan, qui attaque le système nan, en prenant la fuite. Mm-hmm. Et gagné Macandal qui dit M'boile fout empoisonner tout blanc, kap fait me faire manger pour yo, kap fait richesse yo sous sueur moi. Ou boal gagné moment Boukman, kap pral vin moment l'ouverture, et puis Dessalines. Bon, nous même perdi. M'trouve que on dirait nous perdu quelque chose que
Monsieur, dame, que me sont cités là, yo, tanto ya yo, Zabet yo, Tanguy Tonio, Boukman, Makandal, Dessaline, Ressio, nous trouvons que, quand bagay moun sa yo te gagné, que nous-mêmes nous perdu. Qui ça lié? J'aime pas croire que nous perdu, non? Non, pas oublier que tout peuple vient racine yo. Tout peuple bien racine. Il y a des valeurs que yo cultivé, mais des fois on connaît des situations côté valeurs ça yo connaît prend moyen pour faut mettre de côté, pour faut lier yo, pour faut pas servir avec yo. Aidez-moi comprendre ça. On dit deux gros bagages. On dit c'est pas que nous pas même monakio, mais parfois yo connaît prend des moyens pour nous mettre bagay ça de côté. Yo a ce qui est et qui moyen yo ça yo pour. Ou gagner par exemple des groupes ou gagner des peuples tout. Des groupes en dans même yon société, mais ou gagner des civilisations tout. Mm-hmm. Par exemple, sous bien garder et comment elle encore Lucien Cerise. Dans le même livre, comme gouverné par le Caroua, il montre ça. Il montre que, et ce n'est pas hier, non? Il dit comme ça. Vous savez, dans la Rome antique, il y a qu'on a parlé du pain et des jeux. Et du pain et des jeux. Pour qui ça? C'était pour que mon yo capable d'être tranquille, d'être calme. Et sont bien gardé. Micro coupé, Paydi. Mais pardon. Voilà, merci. Soit le gardé. Soit regardé et place football là, en Angleterre, ou à comprendre exactement ça veut dire. Ça football veut dire pour le peuple anglais, c'est pratiquement une religion. Et non, ça n'a pas de question régionale sociale. Sport. Sport. Distraction. Entertainment. Exactement. Distraction. Mais ça c'est un outil. Il y a des outils qui sont utilisés pour qu'un pays un peuple dans la soumission. Gagner l'autre moyen tout qui prend, au point de vue, ça nous relève, au sujet de tout le monde qu'on a parlé de ça, pour moyen, ça nous relève des questions de déculturation. Pour dévaloriser ça au gagner. Dévaloriser ça au gagner comme culture, comme tradition, etc. Comme identité. Comme identité pour faire, à le garder, à l'embrasser par l'autre monde. Qui présente au pal là comme c'est l'île Pibon. Ça fait partie de contrôle mental fait sur. Et ou gagner toute une série de bagailles je dis là et ou remarquer que Naomi Klein la thérapie de choc montre comment tout violence là, violence a été un gros moyen pour tétaniser monde, faire monde tout le monde était comme ça. Tout ça, c'est des stratégies que nous utilisons pour faire que mon yo était bien tranquille. Et d'ailleurs, pour une bonne raison, le ministre Martelly qui était cité Naomi Klein, il était utilisé le terme Zam la mette dans mes bandits, c'est justement un traitement de choc la baye population hein, pour leur gagner l'élection, pour ne pas sortir à le contester. Yo. Ouais. Donc, c'est seulement parce que gagner des mondes qui fait études sur ça, qui contribuer dans construire et tout dispositif ça yo pour contrôler mental mon yo, pour contrôler comportement yo. Donc, tout ça yo fait partie de moyens que mon yo prend pour yo capable contrôler un peuple pour faire l'été tranquille. Mais Jean, malheureusement, mon yo pas zombie. Avant nous arriver dans mon yo pas zombie, il y a quelques outils tout pour présenter tout. L'école, religion. Ben ouais, c'est certainement. Certainement. On nous garde l'école. L'école là, montre-nous exactement comment pour nous reproduire modèle dominant. Et c'est chaque homme qui a toujours dit ça. Sous bien garder. Modèle d'éducation panouan.
dans l'éducation, pardon, qui ça le fait? Le fait que nous-mêmes, nous ne pouvons jamais apprendre, nous ne pouvons jamais apprendre en groupe. Mm-hmm. Eh bien, ça a terrible. Nous ne pouvons jamais apprendre en groupe. Ouais, parallèlement, ce n'est pas un vieux parrain, non? Mm-hmm. Mais les géniaux a fait groupe et au travail mathématique. Mm-hmm, oui. L'école va montrer notre travail en groupe, mais l'école finit, on réunit la caillou de l'autre, on a le travail. Mm-hmm. Pas, mais le travail idéologique là, qui fait là, il faut passer tir fort ça. Qui s'est passé, c'est que c'est ça qui fait, il apprend nous pour nous réussir en individualiste. Frère, on te dit nous ça, mais on te dit nous ça, chacun pour soi, Dieu pour tous. Le salut donc, est personnel. Le salut c'est est personnel. Ça, dit nous. Donc, nous pas d'apprendre. L'école là, pas montrer nous, pour nous travailler ensemble. Dans l'autre pays, l'on devoir fait, c'est pas examen individuel qui vont passer, c'est travail de groupe. C'est les bonnes notes là. Donc, ça y a eu des impacts sur nous qui fait que dans la logique, ça, ouais, chaque monde a battu pour le sauver Paul. Ou pas besoin, ça fait nos besoins, regarder question d'éducation. Regarder comment nous fonctionner. Comment moi-même m'a proposé et où qu'on réponse yo, moi-même pas qu'on est yo, ou à regarder comme on content que moi-même a séché ou à déposer. Ah, puis le ou même ou échoué, me réussi, me penser son réussite pour moi, parce que pendant que moi me réussi ou échoué. Justement. Et ça, l'aller juste dans le comportement nous dans la société. Ah oui. Le fait que moi-même qu'on y a dans quartier côté m'rete a pas gain courant qui m'élève génératrice exactement pour capable acheter génératrice m'a pas génératrice moi la caille m'a lumière ou petit caille côté m'rete a la non fait noir ou bien baleine presque boulet pédi mais côté pas ça sorti bien quand on dit c'est gain des monde qui pensent pour nous parce que bon ou même ou gon vaste expérience en Afrique, ou enseigner en Afrique, ou parcourir l'Afrique d'un bout à l'autre. Mais la culture africaine, la civilisation africaine reposait sous l'Ubuntu. Faut nous tous marcher ensemble. Qui a envie de casser bagay ça, penser communautaire ça, la carne? Nous quoi, dans combi? Ben justement, c'est parce que c'est pour diviser non, pour contrôler, on peut diviser le tout. Vous songez ça, Franklin Delano Roosevelt dit. Faire mon soulier. Il faut que mon pied à tête, toujours à boumer avec mon soulier dans le pied. Pour nous parler avec mon foncé. Mon pour foncé. Et Ronald Dib, alors, comment il s'appelle? Renold Dib, dit même bagarre à tout. Renold Dib clairement campé devant le monde. D'ailleurs, il dit dans la radio, la seule façon pour nous continuer, qu'il peuple là dans l'état de sous-humanité là, faut nous mettre des âmes dans mes divers groupes pour y abgoumer tout le temps, pour ne pas guetter abgoumer contre nous. Exact. Donc, ça, c'est, vous remarquez que l'école a joué dans ce sens-là. Pour ne pas travailler ensemble, pour ne pas réussir ensemble. Moi, tout honneur, moi, toute fierté, moi, c'est le moins réussi ou échoué. C'est terrible. Ça, c'est rôle l'école. Là. On ne pas battre une société comme ça. On ne pas battre une société comme ça. Non. Deuxième bagage. Deuxième bagaille, c'est la religion. On est d'accord ça. La religion. La religion, c'est pas, c'est dépendamment de gens ou servent avec l'IA, ou qu'a fait l'IA comme facteur de libération d'un peuple, ou comme qu'a fait le serveur facteur d'aliénation, tout. Absolument. Mais avant ça, c'était Napoléon Bonaparte qui dit et il n'y a pas de société sans inégalité. Et les inégalités ne sont pas supportables sans le secours de la religion. Et monsieur, t'es lucide. Exactement. J'ai le dédou que l'histoire sont ensemble de mensonges sur lesquels on s'entend. Certainement. Donc, dédou, et c'est ça qu'il faut, ouais. Bonaparte, toujours arrangé pour le biac religion. Il arrive en Égypte, par exemple, les biac groupe religieux de Pifora. En France, les bien à la fois catholique, li bien avec franc-maçon. Donc, li kon bagay sa yo bien. Très, très bien. Et c'est justement ça.
Et la religion, dans un moment ça y est, les gens se sentent désemparés comme ça. C'est ou bien deux attitudes. C'est ou bien la religion fait le complice de l'ordre établi, entre guillemets. Donc, les promettent au ciel. Et puis, ils oublier ça qui a passé là sous terre. Gardant l'air. Exact. Exact. Mon yo, le ça, ça a aidé. Ça a aidé, mon capo, aider oppresseur, aider groupe dominant yo. Aider groupe dominant yo. Et ouel tout, c'est le moment ça tout. Mon yo, yo tellement, la religion qu'on endormi yo, c'est là ça yo plus à chercher miracle. Y a chercher miracle. Mon cher, ça a formé illustré, li, ou c'est père, et moi-même pendant longtemps, j'étais pasteur responsable à l'église. Dernière fois mal en Haïti, nous t'es étonné, ouais, bien l'église qui gagne jeune pour chaque problème. Gagne jeune pour trouver visa, gagne jeune pour faire petit, gagne jeune pour travail, gagne jeune pour marier, gagne jeune, etc. Donc, pendant tout le temps, ça, on vient devant un père, devant un pasteur, pour bon Dieu et d'autres. C'est que ou pas qu'à faire révolution, ou pas qu'à créer entreprise, ou pas qu'à dire c'est pas normal que l'État pas bonne condition pour me travailler. Donc ouais, dans ce sens-là, religion car un instrument d'aliénation ou mais de ségrégation. Mais certainement. Et sous bien garder, discours en lui-même, c'est ça le dos. Il faut croire, on a parlé de pensée magique. Pensée critique, pensée magique, pensée critique. En pile fois, et les tenants de la religion, ils ont utilisé pensée magique. Parce que ils font tout le monde désincarné ou déjà ou sous terre, mais c'est comme si n'en mangeait déjà. Ben, donc, oublier corps pas aucune valeur. Donc, si vous pas manger, moi-même, tendez même, côté on m'a dit, oui, vous mettez gango, pas besoin qu'il y ait l'orgue dans celle-là, ou besoin de zèle codène, ou besoin pour manger. Il n'y a pas deux mondes qui n'ont pas le vol, les ailes cordées dans l'air, non? Parce que si c'est à nous tellement grand goût, le livre en l'air n'a pas le vol. Mais vous savez pourquoi aller? Pourquoi aller, non? Mais au Vindou, ça n'a pas en l'air. Vous comprenez? Donc, tout ça, c'est des bagailles qui servent pour démobiliser un peu. Démobiliser un peu. Et la religion, tant qu'on nous dit, la religion aide dans l'opprimer un peu. La religion est d'un opprimant. Et c'est ça que fait. Il y a des gens qui comprennent que la religion, c'est quoi? C'est son couteau à double tranchant. Oui, parce que le cas est d'un libéré tout. Et absolument. Vous comprenez? Mais, c'est dimension libération, ça, en général, il y a des gens qui peuvent parler, mais comme si pour des gens qui campaient. Les gens qui campent, ouais, c'est au senti, les gens qui ont senti impuissants comme ça, en général, c'est ça qu'ils ont fait. C'est dans la religion, ils ont jeté quoi? Ils ont résigné, ils ont rentré dans le protestant. Oui, parce que moi-même, j'ai un gros phénomène, tu as remarqué, l'homme était plus jeune. Nous avons gagné l'hôpital Grand Rivière du Nord. Mais tu as gagné une opération, tu as fait là dans tout le monde sans problème. Et puis, l'hôpital l'a venu fermer. Et ils sont tombés dans l'État, ils ont commencé à diminuer, les services ont commencé à diminuer. Et puis, on vient à remarquer que les soins médicaux sont plus rares. Il faut qu'il y ait l'argent pour les gens qui n'ont pas l'argent. C'est ça qu'on fait. Donc, un problème, tant qu'on dit, il y a la prière pour mon Dieu, qu'à fond de fibre, il y a gagné. Ah oui, bien sûr. Il y a un pasteur, je ne connais pas un père qui fait ça, il y a un seul, qui est très charismatique, nous n'avons pas besoin de citer. Non, mais en général, c'est pasteur qui fait ça. Yo dou yo gon jeune pour bon Dieu craser ses cœurs. Ça signifie sou malade et que le docteur dou font maladie mortelle, vin prier et bon Dieu a délivre. Ah oui, c'est ça, mais religion, oui. Van illusion. Oui, mais justement, mais là où vous faites devant 200, 300, 400, 500, 600 monde qui adhérer à mon discours ça. Discours totalement désincarné, qui, comme si prend mon yo, fait oublier la réalité. Pour le mieux, il y a une solution. Il y a une solution. Mais en pile fois, la religion détourne nous de solutions pratiques pour nous jeter pour nous, vider l'esprit nous, non, en domaine qui n'est pas qu'à résoudre. Et pourtant,
L'on a regardé l'histoire, regarde, ou qu'en Afrique du Sud, en Afrique du Sud, nous avons gagné Desmond Tutu, qui était fait corps avec lutte contre l'apartheid. Faut nous rendre hommage, moi-même avec nous avons gagné un grand petit garçon. Pas tant bien 86, c'est pas de la radio soleil. Pas tant bien 86, c'est pas de gagner au cap la voix de l'Ave Maria. Côté que des mounes dans l'église, t'es fait corps avec le peuple là pour te renverser la dictature du Valier. Mais qu'est-ce qui vient de passer? Qui fait que, ou j'ai l'impression, l'église rentre Corée dans let's written sia, dans zombification, dans résignation. Qui s'est passé? Parce que nous, on dit, religion sont âmes à double tranchant. Oui, l'Ikaïda a endormi moun, mais parfois, l'Iede moun a pris conscience. Martin Luther King te serva avec statut de pasteur pour mobiliser les Afro-Américains pour défendre le droit. Mais qui s'est passé, nous, qui fait l'Église plus intéressée, je dis, à dîme, à ciel, plutôt qu'à mobiliser pour me libérer tes points? Eh bien, Jean, l'histoire de l'Église, l'histoire religieuse, nous trouve que toujours traversée par deux grands courants, ça y est. Qui est sacré, les courants, ça y est, conservatisme, ou le conservatisme, modernisme. Conservatisme là, c'est, on nous quitte bagay yo, Jean yo yé, on nous chita sous dogme yo, on nous chita sous c'est de vérité, mais on n'y a pas de changer. Donc le ça ou de well dans ça qui ça Léopold II t'voyer paye au fait au Congo. Oui, il t'a montré qui ça veut dire. Donc ouais, c'est moyen ça où t'es endormi, où t'es endormi mon Dieu. Mais où t'es gain tout à partir des années 70, 80, 90, t'es gain courant par exemple théologie de la libération. Oui. Qui t'a montré comment Bon Dieu Jésus-Christ, là, c'est un bon Dieu qui veut la vie. Il prend pas position pour pauvre. Et qui dit, faut tout le monde vivre. Faut tout le monde vivre dans la dignité, etc. Donc, courant ça y a, il a toujours traversé l'Église là. Et je vais remarquer que chaque fois que l'Église là, alors, c'est pas toujours, et c'est toujours le monde qui a dirigé, une question d'intérêt personnel donc qui traversait décision décision et orientation pastorale dépendamment de moi ça m'a défendre est-ce que me retrouver avec des intérêts personnels qui t'a fait je dis à mal campé côté à massacrer un peuple ou bien que mal campé bon côté peuple ça qui défendre tête lui tout ça c'est ça m'a volé des tensions historiques tensions historiques entre courant ça yo qui connaît, il y a ce courant conservatiste là qui passait, et puis il y a le tout, ouais, c'est courant moderne qui dit, non, c'est pas bon Dieu ça, Jésus-Christ est venu révéler, c'est un bon Dieu la vie. Et où elle, chaque fois, t'es tendance conservateur prend le dessus, chaque fois, l'en avance, et l'église a fait mode. Il fait back, et puis il retire, il dit bon, et moi-même, pas dans politique, là-dedans. Ou tellement là-dedans, que. Justement, mon cap fait politique pour craser peuple ça, il retrouve dans le rôle comme un allié. On allié. Et c'est ça qui fait, je dis, ouais, que et discours. On a parlé de 86, discours Radio Soleil, discours de l'Église catholique, etc. Ouais, discours ça, et ouais, on a plus de ma bande de monde côté l'Église catholique. Côté au passé, oui. Parce que, un exemple. Maintenant, nous avons un cardinal en Haïti, Chibli Langlois. On dirait, en tout cas, peut-être que ça a échappé, on dirait, monsieur, non tombe ou quoi, ou bien non bocal. C'est dans un moment de crise, ça, yo. Pour que le leadership de l'Église, ici, le cardinal Langlois, t'a dû dire, mais est ta crise là, et mais qui ça nous a dû faire, parce que quand même, sur papier, et même dans les faits,
tout haïtien l'église chaque dimanche, sinon chaque jour. M'a regardé quantité de monde qui était dans la rue, dans telle, comment on dit ça, procession que tu as faite là pendant carême. Non, on dit, mm-hmm. oh là là, ça c'est l'autre illustration du fait que mm-hmm. le peuple haïtien était très catholique. Et puis, mm-hmm. dans la situation de Christ, ça, chibler l'angloire, paix. Alors que, le te commencé à une manifestation pour te rejeter Martelly, il y a un accord là, pour te demander mon yo, pour te bailler. Mm-hmm. Système dans l'autre chance. Mais mm-hmm. comment ou même comme paix, je vais vous mettre dans une situation de compromis, mais mm-hmm. comment ou même comme paix, sociologue et psychologue, interpréter silence la haute hiérarchie de l'Église? Oui, mais c'est. Non, mais ça pour comprendre, c'est ce que je disais tout à l'heure, Jean. Je disais tout à l'heure. Est-ce que des fois, position, il y a varié. Il y a varié. Gagner, par exemple, tout le monde a dit ça. Et qui ça, mon yo cap dirigé? L'église yo qui ça on cap dire que c'est pasteur que c'est qui intérêt yo qui côté intérêt yo côté intérêt yo qui est à soutenir yo, alors soutenir c'est intérêt qui oui, bien sûr pas bon donc dit l'intérêt est le mobilisation humaine qui ça moins m'a défendre pas gain neutralité. La neutralité n'existe pas. Mm-hmm. On ne peut pas se tenir sur la clôture, yeah. comme on dit. Mm-hmm. On va contre, c'est ou bien en dedans ou bien en dehors. That's it. Comprenez? Et l'homme, on dit le neutre, c'est parce qu'il ne peut pas révéler l'opposition. Non, mais il connaît bien. Il connaît côté le camp. Qui côté le camp. Il n'est pas prendre le temps pour l'identifier. Non, bien sûr. Et parfois, silence lit, pas les plus faciles. Lorsqu'on est en situation de crise, l'IP, c'est que les soutenir. Moun qui provoque crise, qui parle de désavouer. Mais d'un coup dit, c'est dommage parce que la religion, pas comme phénomène, mais la religion comme institution, t'as dû hériter un rempart moral. Genre, on crise en société, la religion t'a supposé qu'à aider. T'as supposé indiquer la voie à suivre. Et, écoutez, qu'on ouelle. Bon, et là, on prend la République dominicaine. La République dominicaine, c'est un pays catholique. Un pays, très catholique. Mais protestant. Mais il faut dire, mais protestant, adaptable. Mais, et cardinal qui était là avant, cardinal Trujillo, ancien cardinal dominicain. Et mon calme, il est là. S'il va mourir, il est là. Mais monsieur, il était craint, monsieur, en pile. Les bons problèmes, un problème qui a passé dans la société, monsieur parlé et tout le monde est québécois. Suivre. Mm-hmm. Ah oui, tout le monde est québécois parce que l'Église, la territé, ils ont autorité morale. Mais le bagaille a passé comme ça. Ouais, comme si pas aucune autorité dans l'Église pour Québec dit non, ça n'est pas correct. Ou bien, si comme si pour l'Église a une position bien claire. Mon Dieu, qu'on a demandé ça, côté l'Église, il y a mon capri. Mm-hmm. Oui, mais ça l'Église a dit. C'est très suspect, oui. Le cardinal Langlois a payé. Mon Dieu, a interprété silence de l'Église, là. Mm-hmm. Que l'Église a fait. Et l'important, parce que si yon l'Église qui pas capable de position devant la situation. De côté la moralité sociale, la moralité en général en crise, et l'Église ça l'a pral assimilé et l'a perdu signifiance. Mm-hmm. Ah oui. L'a perdu signifiance. Il n'est pas capable, il n'est pas un discours encore devant ce monde. Mm-hmm. Parce que nous pral dire côté outeillé. Côté outeillé. En nous, Pédi, garder rôle média, ou étudier ça. Oui. Comment les médias font mon domi? Ah oui, question communication. Mm-hmm. Communication, c'est presque même avec la religion. Communication, qu'a ouvert le monde, on se par exemple Radio Soleil. La presse, il y a quand parle tout. Mm-hmm. La presse, il y a parle tout. Mm-hmm. Donc, mais, la presse pas qu'à neutre. Non, pour média yo, pour média yo, yo gagné position pa yo. Mm-hmm.
Parfois, ils disent la pouvoir parce que c'est avec ça qu'ils bénéficient. Et un contrat publicité, faveur, ils mettent leur un contact personnel avec dirigeants, ils mettent mon nom de job, etc. Ils ont qu'à faire ça. Donc, le ça, c'est facile pour nous. Mais par contre, si vous êtes au courant de déclaration qui peut être entre deux directeurs médias, mais il y a Caraïbes. Au Caraïbes avec Ivner, on va dire comme ça. Et puis Ivner a dit si propriétaire média Radio Caraïbes est aligné le bon côté peuple là, situation a changé. Oui, moi, Patrick Moussignac, enfin, il faut me féliciter pour ça, malgré tout ça que par ailleurs, tu as reproché, moi, que là, il passe publicité sur radio, le côté que le mandé Mounio pour nous défendre tête nous. Parce que nous ne sommes pas capables de continuer à dormir toujours, mais bravo, Patrick Moussignac. Parce que la presse, la main en général, sont bien gardées. Dans la question ingénierie sociale, on a parlé dans un livre gouverné par le Cameroun, la presse toujours au service de l'équipe dominante. Tout à fait. C'est parce que il servit même pour ça. Oui, c'est courroie de transmission. Exact. La presse ou bien moyen de communication là, pour distraire nous tout. Oui. Voilà, pour distraire nous. Pour distraire nous. Des jeux. Exactement. Pour distraire nous. La presse a l'autre rôle, soit pour déconstruire des valeurs, ou bien pour enseigner des contre-valeurs ou des anti-valeurs. Certainement. Mais il dit, l'on regarde au sein de bagailles télévision en Haïti à passer, au sein de petit monsieur avec jeune petite fille qui quasiment tout nu, yo quasiment vine des sites de pornographie, parce que le conseil de vidéo soi-disant musical qui a joué, mes amis, c'est quasiment porno lié. Et puis, directeur média, pas même qu'a dit, bagay qu'on ne sait pas qu'a passé là. Mais là encore, Jean, là encore, au grand problème, c'est le palais de effondrement de l'État. Ah oui. Ou à Omar, qui est un pays côté l'État fort, il y a une société dirigée qui contrôle l'audiovisuel. Ah oui, bien sûr. Ah, en Chine. En Chine, nous ne pouvons pas passer sur le blé. Non, mais Canada, même le Canada, moi-même, tu es abonné avant la guerre en Russie, en Ukraine, à Russia Today, à RT, et puis CRTC, qui est un organisme qui régit à faire onde au Canada, dit, étant donné l'idéologie Russia Today pro-russe, tandis que eux-mêmes, yo pro-ukrainien, yo coupé droit de diffusion Russia Today. Yo prend position. Parce qu'on a l'État. Ou qu'on a d'accord, ou qu'on n'a pas d'accord, mais on a l'État. Miko coupé encore, il dit. La presse dans la société, et qu'a joué un rôle pour conscientiser le monde. La presse qu'a ouvert, j'ai mis. Parce que nous-mêmes en Haïti, moi, les médias qui sont plus populaires, c'est radio. C'est radio, mon a plus écouté. Télévision vient après, mais mon a écouté radio en pile. Et il y a des animateurs de radio, ça c'est des amis, y a des leaders d'opinion, etc. Ils sont capables d'aider en société. Mais trois canards, monsieur Sayo, c'est machin de micro, dans le sens que c'est van, il y a van opinion, il y a des groupes d'intérêt qui achètent opinion en amène. Exactement. Oui, mais justement, c'est l'âme de parler de gros intérêts. Ils connaissent, mon Sayo qui gagne moyen en amène, ils connaissent qui côté la presse qui est arrivée. Donc, puis bon, c'est grand matin, ou plutôt, moi j'ai cru. Coopté, mon nom. Oui, avec des fois tout. Le mon Dieu, besoin de prendre position qui pour aider la société à avancer, et puis il y a menacé, puis il y a coupé publicité, puis il y a fait des choses, etc. Autrement dit, n'a pas un grand goût. Donc, mais ce qui s'accrétait, c'est que la presse a toujours aidé, contribué. Qu'a aidé, qu'a contribué, n'a aidé un peuple libéré, Tatli.
Donc, nous regardons. Vous montrez nous où l'église t'a qu'à jouer, où la presse t'a qu'à jouer, où l'école t'a qu'à jouer. Mais élite là, c'est élite qui t'a dû servir de locomotive pour tirer train sociétaire. Le élite là corrompu ou bien l'est perdu sans vocation. Pour me reprendre livre Price Master, qui s'est passé, qui s'est fait dans telle situation? Ben, Jean, c'est justement ça. C'est qui vous connaissez au 10 là déjà? C'est, l'élite là, c'est la tête. Mm-hmm. Leur bonne société, quand marche tête en bas, ça veut dire. Mm-hmm. Ça veut dire, il n'y a pas de monde qui guide elle. Il n'y a pas de monde qui baille le temps. Il n'y a pas de monde qui peut montrer, qui peut servir de modèle. Que c'est une élite politique, que c'est une élite économique, que c'est une élite sociale. Donc, c'est ça qu'on gagne. On gagne, on a une crise de société, une crise de société côté Mounio, yo pas ouais élite qui a joué un rôle. Yo pas ouais élite qui a joué un rôle. Mais, Jean, c'est qu'on a toujours dit ça. Une fois dernière, dans le vent du Nord, on a fait une présentation. Il y a trois dimanches. Oui, et de montrer que même si le professeur Lesimaniga te dit Haïti a un pays qui va mourir, mais Haïti a un cas d'exception, moi je ne sais pas pourquoi Haïti a mourir. Parce que même là où il y a des élites qui font faillite, dans le lieu, on va toujours joindre un petit groupe, un petit reste. Des gens qui prêtent pour bailler même la vie. Pour capable de régénérer la société. Ça. Et je crois ça, je dis. Peidi, ou te dis nous au début de classe là, révolution pas qu'on fait sans leader. Et nous regardons, dans toute histoire, tout peuple, non. Toujours un leader. Est-ce que grand monde, je dis, hein, qui, s'il t'a parlé, t'a semblé porter revendication peuple là, au point que le peuple a dit, mais moun ka parler pour nous. Je pense que nous n'avons pas gagné ça aujourd'hui. Je ne dis pas gagné, Jean. Je ne dis pas gagné. C'est ça que nous besoin. C'est aider société, aider groupes, aider entités politiques, sociales. Fait des mondes. Parce que pays a plein de monde là-dedans toujours, Jean. Non, on connaît, oui. Mais tout le monde n'est pas leader. Je ne dis pas qu'il y a un leader. Non, même si je ne suis pas un leader. Oui. Alors, il ne faut pas oublier, là, quand on a parlé, d'après l'ouvert, on a l'autre chapitre, on a regardé qualité leader, type de leader charismatique, leader exact. Bien sûr. Oui. Mais Jean, et ça, nous, pour nous comprendre, ça pour nous comprendre, c'est que il y a des leaders qui l'ont, mais des fois tout, c'est nous pour aller chercher. Parfois, la presse a un rôle qu'a joué dans ce sens. La presse a aidé à identifier des leaders. Des gens qui ont une capacité pour venir avec une solution. D'écouter dans le jour ça là, et Fridjan qui a passé dans Radio Canada. Qui dit que nous, ils sont conscients de problèmes là, ils sont conscients de problèmes là, et ils ont gagné solution, ils ont gagné capacité pour venir avec un autre discours, un autre type d'État, un autre narratif. Un autre narratif, un autre pratique. Mais ce n'est pas lui seulement. Gagner l'autre monde, pays a besoin, que c'est en dedans, que c'est en dehors, dans la diaspora, que c'est. On a payé qui est capable d'aider rebâtir mon confiance. Moi, je crois ça en pile. Bon. Peidi, encore une fois, ou c'est psychologue, ou voyager en pile, ou enseigner, présentez-nous l'abécédaire dans la révolution. Je suppose là, nous chitons en pied, nous disons, OK, Peidi, pour nous renverser ce système, il faut qu'on leve campé. Comment pour nous arriver la donne? A, B, C, D. Bon, vous regardez le parétal. Jean, premier bagaille, ça relève le ferment d'une révolution. D'abord, qu'est-ce qu'une révolution?
Aidez-nous à comprendre ça. OK. Une révolution, c'est un changement drastique de un système à un autre. Les qu'on fait le plus souvent dans la violence, la force. Comprenez? Ça va dire tout recours à la force, ralmène à révolution. À révolution, non? Mais en général, révolution parfaite sans violence. Non, non, parce que en général, mais il y a une logique tout. Moi, c'est le côté de me connaître qu'une révolution qui est faite. Une révolution tranquille, c'est au Québec. C'est une exagération. Il n'y a pas de révolution au Québec. C'est une accélération de progrès social. Exactement. C'est ça qu'on dit, c'est un bail qui est plus social, culturel que politique. Absolument. Vous comprenez? Donc là, c'est ça. Mais il faut gagner en situation intenable. C'est ça qui est bon. C'est une situation de désespoir, une situation de désespoir, côté. On n'a pas gagné encore, pas aucun espoir. Et puis, il dit, bon, là, qu'on y a là, bon bagaille qui vous fait. Est-ce que désespoir là établi, parce que nous comprenons que il y a un pays, l'ennemi, qui a veillé pour que la révolution n'ait pas faite, et qui semblait ouvrir un petit trou dans le mur pour permettre que Mounio joue un visa, programme Biden. Est-ce que ça, pas de nature à empêcher Mounio de réaliser désespoir là? Oui, c'est il fait partie tout, il fait partie de stratégie de contrôle. Ça nous rend ingénierie sociale là. Il fait partie de ça. C'est comme si créer des bouffées, comme si faire des trous dans palier. Dans le mur, dans le palier câble là, pour permettre de trois monde échapper. Ça il fait. Mais vous avez remarqué que tout le monde va pas aller. Tout à fait. Et majorité du monde ne va pas aller. Donc, qui ça n'a fait avec le Mounio qui est là? Donc, le premier bagage, c'est que Mounio, leur non situation intenable, ils n'ont pas qu'à supporter, ils ont un changement qu'ils ont fait. Pour nous clair sur ça, est-ce que Jean demain matin, donc, a dit et Haïti paré pour une révolution? Pas quoi. Ça fait vous dire, nous pas quoi. Parce que Jean, et condition qu'on a dans qu'on y a là, pas déboucher sur ça. Ou non crise de société, et ou pas gagner, deuxième élément qu'on a besoin, c'est leader. Donc, premier élément, c'est désespoir. C'est situation de désespoir total. On n'est pas capable encore. Deuxième élément, c'est leader. Ou pas gagner leader. Ou pas gagner leader qui est capable, je dis à demain matin. Analyser. Non, il n'y a pas comme ça. Par exemple, ouais, et le ou prend un pays tant que la Libye non, dans le passé. Oui, Kadhafi. Kadhafi fait un coup d'État. Et puis, pour une bagaille que le fait, c'est qu'il change le système ancien. Et puis, il dit, c'est pour ressources pays à aider. Et c'est pour ça, la France, États-Unis, Royaume-Uni, Canada. Assassiner le tourisme. C'est clair. Mais, il y a des pays qui ne font pas la révolution, mais ils entrent dans la réforme, par exemple. Ils entrent dans la réforme. Ils réforment des institutions, ils réforment l'éducation, ils réforment la Tunisie, la Turquie. Exact. Quand ils ont pays qui ont été arabes, c'est ça que vous avez fait. Vous comprenez ça. Donc, premier élément, c'est situation. Deuxième élément, c'est leader. Troisième élément, c'est qui éducation peuple ça. Pour le parler, pour l'entrer dans le changement qu'on voulait. C'est extrêmement important. So, regardez, toute révolution, après, il y a fini par le groupe là, qui est capable de finir par pouvoir, pour y aller, il y a attaqué ça. C'est l'éducation. Oui, même au Québec premier d'ailleurs. Bagaille. Premier bagage qu'il fait, l'État reprend l'éducation, il met l'Église de côté, et puis il change le cursus là. C'est le changement. Après, la petite histoire rapportée dans la question de l'éducation. Comme moyen pour capable aider le peuple à changer une situation qui est là-dedans pour changer le total. L'heure et révolution qui est dans une fête, donc, on a Che Guevara, c'était mon frère, compagnon, avec Castro. Quand il y a Che Guevara, trouvé que et si il fait le Cuba,
Et ça Il a fait le marchait. Colombie, il a fait l'autre côté. Il a exporté en Bolivie. En Bolivie. Et puis, là, il arrivait. Rentrer à la même stratégie, aller dans Morne, etc. Guérilla, bah, comme ça. Mais, c'est que, pas aucune préparation qui est faite au niveau de la population. En Bolivie. En Bolivie. Et puis, qui est-ce qui va le dénoncer? Guevara. Guevara, c'est un paysan qui t'a gagné et bête t'a gardé. Et puis, il dénonçait Che Guevara. Ton paysan dénonçait monsieur auprès de la CIA. Et puis, écoutez, il a joigné. Et puis, si l'air dit, monsieur, mais faut qu'il sorte fait ça. Je dis, même pas qu'on est, moi, il a deviné tout le monde, il a tiré pour faire bête, pour faire mon temps saisi. Il dit, monsieur, livrez Che Guevara parce que bête-li, t'es effrayé, le Che Guevara a tiré, le livrer Che Guevara pour un mouton. Justement. Mais c'est mon truc, c'est que le peuple ne pas comprendre ça que Che Guevara est venu faire. C'est vraie raison, ça, c'est que il y a juste des toilettes qui viennent capturer pour faire bête saisi. Donc, je ne sais pas qu'on est moi-même, moi, je ne sais pas bête saisi. Donc, il livrait vagabond, il livrait mon nom qui trouve le problème. Donc, ou pas qu'à faire l'évolution sans éducation. Sans éducation, sans pas éduquer. C'est extrêmement important. Désespoir, leadership, éducation. Yes. Qui? Yes. OK. Mais comment aider à éduquer peuple ça? Ça prend temps là, Père Eddy. Oui, Jean, c'est une démarche. C'est une démarche ou pas, c'est soit bien garder et ou pas changer un peuple du jour au lendemain. Pas changer un peuple du jour au lendemain. Moi encore là, elle m'a toujours parler de Rwanda comme un peuple que moi me garder, me suivre, évolution, m'aller là-dedans avec plusieurs autres collègues et nous travaillons ensemble, nous c'est pas dans la capitale, là, nous allons aller même dans côté qui était plus pauvre et en dehors dans l'est, de côté PIH qui travaille et continue de travailler jusqu'à présent, mais où est que et premier bagage que vous faites, c'est travail pour bay peuple ça yon éducation. Et une éducation civique. Oui, c'est li qui est important. Une éducation civique. C'est lui-même, c'est d'abord lui-même. C'est pas apprendre mathématiques, français, anglais. C'est d'abord qui sont liés comme citoyens. On gagne droit, on gagne devoir. Qui devoir l'État vis-à-vis de vous-même. Exactement. Jean, vous connaissez aujourd'hui, au Rwanda, ou pas gain droit jeter une posturette dans la rue. Et ou même ou t'aller ou témoigner son côté propre qui est belle. Moi même voyé dans vidéo. Est-ce que c'est vrai? Kigali classé comme une capitale qui est plus propre. C'est pas yon non comme capitale qui est plus propre. Comprenez? Oh. C'est où elle? Paris pris avec des problèmes de rats. New York pris avec des problèmes de rats. Montréal pris avec problèmes de rats. Et Kigali, c'est capital qui pi propre. Et on a rappelé, dans les années 90, yo saute vivre yon gros génocide. Yes. Puis presque 1 million de monde mourir, 800 000 viols, etc. 90 à nos jours, c'est quoi? 30 ans. À peu près. 30 ans. 33 ans. 94, 30 ans. 29 ans. 29 ans. L'autre jour, se commémorer. Ça, c'est le mois d'avril. Oui. Oui, mais où est? Ils ont éduqué comme ça. Ils ont éduqué à la citoyenneté. C'est non, c'est moi, je ne peux pas songer, mais dans l'engagement dans Kimiranda, par exemple, ou gagné chaque dernier samedi du mois, ou gagné un service à la communauté. C'est tout le monde. Si c'est balé pour prendre, on prend balé. Si c'est dans le prison pour aller des mots. Et là, quel que soit ça offert, ou qu'on contribue. Non, mais est-ce qu'on connaît, Jean? Est-ce qu'on connaît? On prend exemple. Wanda, c'est bon. Nous, ça n'a pas les deux ancêtres. Nous, on met qu'on livre sur Toussaint Louverture. Est-ce qu'on connaît que le Toussaint Louverture était gouverneur, il était instauré même service à la communauté ça dans chaque municipalité? Correct. Est-ce qu'on connaît que peuple haïtien, peuple sont là?
Il y a un valeur salon de l'eau. Oui, on gagne. Il y a un valeur salon de l'eau. La RIA, c'est salon peuple là, c'est ça qu'on dit en 86. Tout le monde a parlé là, oui. Mettez-la en condition. Mettez-la en condition. Mettez-la en condition. Pour faire comprendre que là, pour recommencer, là, pour faire un pays, ouais, c'est pas le même genre. Là, pour nettoyer la RIA. Ils ont mis-ils dans la condition pour apprendre ça. L'a développé comme l'a fini par développer comme une habitude, comme un réflexe. Retourne à ton Rwanda, modèle éducation civique là. Qui sont ouais, by nous espoir. Mais Jean, c'est premièrement, yo leader prêché en pinaille, leader prêché par l'exemple. Leader prêché par l'exemple. Il y en a un exemple qui te plus frappé en termes de voyez message clair pour construire, pour changer en société, c'est respect pour la loi, respect aux principes. Et où sont dit ça, oui? Ça fait une rivière là, c'est la banalisation du service public là, car nous. Et là, on dit au Rwanda, respect pour ça. Oui, je me dis, Jean, ils ont fait, bagaille que moi, j'étais là, dans le pays à ça. Et ils ont décidé que l'État n'a pas besoin de vos machines. Gros tête bœuf. Peut-être bœuf, 8 cylindres, etc. Ah, parce que. Nèg en Haïti, c'est 4-5 coups qui ont gagné. Vous comprenez? L'État n'a pas besoin de ça. L'État dit bon, tout fonctionnaire, l'État prend machine à main. L'État prend machine ça, la vendre aux enchères. Et puis, quand il y a pral, paye chaque fonctionnaire en machine, l'État finance pour à 60%, ou après, il reste là à 40%. Et tout ce qu'on pour faire la machine, c'est pour. C'est où? Après, certains temps, machine pour. Tout le monde bah, la vie passée, et puis l'État récupérait toute machine. Bon ministre qui trouvait qu'il ne va pas aller pour lui. Il a foutu dans la prison? Non. Dans lundi matin, M. prend la machine dans la poêle, dans le travail avec. M. Rivé, non, qu'à faux côté. La police a fait circulation. Le campé machine, il fait M. descendre. Il prend la machine dans la poêle. Il fait M. monter moto. Elle descend devant la machine à y aller. Exemple. C'est justement, il y a besoin de ça. Tout ça, on va dire. On va dire tout le bagage parfait, non? Non, ça pas existé d'ailleurs. Mais, vous gagnez une société qui vive et qui respecte la loi. Une société qui vive et qui respecte la loi. Et c'est l'État qui doit par exemple ça. Par exemple. Par exemple, il y a un exemple qui est une question. Après la révolution, après 1994, et puis il y a des gourmets ensemble avec Kagameo pour finir la question génocide là. Et puis, depuis la générale, il y a commencé à prendre terre. Parce que Kagame, sont militaires lui-même. Militaires, il y a prendre terre, etc. Je demande pour tout le monde remettre terre. Ce n'est pas nous qui avons le travail. Ça dépend 100 carreaux, 200 carreaux, 300 carreaux, etc. Non, remettre, il va nous faire travailler. Il y a des qui fâchent pour ça. Il y a des qui fâchent pour ça. Quand il y a un YouTube qui allait faire des bagages, il paye le tout. Ah oui. Il faut l'être à gagner dedans. Il paye le tout. Vous comprenez? Donc, c'est une société, ou pas gagner, ou pas gagner en société, qui pas gagné ce côté l'État pas campé là-dedans. Ou pas gagné ce côté l'État pas campé là-dedans. Depuis l'État pas là, ou après ça, ou après passer en Haïti. Et son bagage, c'est tout partout. Et pour pas gagner l'État, c'est chacun pour soi. Chacun veut camper l'État. Et puis c'est la jungle. C'est la jungle. C'est ou bien manger ou bien manger. Oui. Ou manger ou bien manger. Et c'est ça qu'on voit mon aujourd'hui. Yodou, c'est nous pi plus. Oui. C'est nous pi plus. Donc, nous n'avons pas pi plus pour nous courir devant deux, trois vagabonds. Exact. Yodou, ça, c'est nous pi plus. Donc, c'est alors que nous ne pouvons pas arriver là. Pédi, ou observer histoire pile ou parcourir le monde, l'on a laissé un sociologue ou aller, c'est un monde qui fait psychologie sociale ou aller. Ça qui a passé là, qui côté le camène nous? En nous garder des issues possibles.
Bon, et premier bagage pour garder, c'est que là encore, réaction mondiale, c'est des réactions de désespoir ultime. Mm-hmm. Ah. On dit ça, c'est ou bien on mange ou bien manger. Mm-hmm. Ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse. Mm-hmm. C'est de l'eau. C'est ou bien on tue ou bien on tue. Mm-hmm. Comme nous en pile, et à faire Zamou Gelamoulin, ou qu'à tuer de toi dans nous, mais ou pas qu'à tuer nous toutes nettes. Mm-hmm. Ou est comment le passer. Mais ça pas prend pile temps. Nous qu'à casser tête tournée. Et en général, c'est en latin, mot révolution. Hein? C'est retour. C'est, oui, c'est casser tête tournée. Absolument. Nous qu'à changer ça. Nous qu'à changer ça. Mais faut qu'il y ait une volonté politique. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, il y a des gens qui veulent changer. On pas capable de faire ça en dehors du pouvoir politique. Là, faut à un moment donné mal chercher outils politiques là tout. Ouais, mais Jean, c'est la même oui. C'est politique la même oui. C'est le premier levier. Mm-hmm. C'est le premier levier. C'est le premier levier. C'est le cas pour le fait que demain matin ou remembrer la justice. C'est le cas pour le faire. Ou travailler sur l'éducation, mm-hmm. ou changer l'école, ou changer, ou mettre plus service social. Mettre l'ordre dans les médias. Absolument. Absolument. Donc, au besoin, c'est ça que fait tout le bagage. Ça, quand on n'a pas de volonté politique, on n'a pas qu'à changer rien. Mm-hmm. Parce que faut volonté à là pour changer. Ou qu'à manquer moyen, mais si volonté à là, ou à essayer, ou à faire. N'a pas l'ouvrir les dans le pays, parce que mon YouTube. Gen des choses pa yo tout pou yo di an nou ramasse ki sa vle nou retenir sou ki sa k fè pèp ayisyen pa leve kanpe toujou et koman yo prepare yon révolution fon ti sintèse pou nou situation sa jodi a mwen janm pa ka di pèp ayisyen pa leve kanpe sa gen kelke mwa nou ta ka di sa men jodi a nou gen lòt sinyal ke n ap rete Et ce n'est pas mauvais mm-hmm. du tout. C'est que son peuple qui dit, nous ne sommes pas qu'à mourir. Mm-hmm. Et nous ne pas qu'à croiser de bras nous pour nous quitter deux ou trois de monde à terroriser nous. À craponner nous. C'est ça qu'on nous dit. Pour moi-même, il est clair. Bon bagaille qui a changé. Et un bagaille qui doit changer. Sauf bon bagaille qui fait. Le peuple, ça, il dit, lui-même, comme yo tout ensemble son masse yo pa ka prendre décision yo mais au moins yo vle di que ça là dedans yo pa vle mm-hmm. ce message ça pour tout le monde c'est pour ça pour tout le monde prend mm-hmm. nous besoin qu'on y a là pour nous garder exactement comme yo pral fait pour que gen des monde qui vini qui dit bon OK mais ça n'a fait là nous comprendre pour que ça n'a fait OK on nous mettait l'ordre. Mm-hmm. On nous remettait l'ordre. Oui. Parce qu'il faut une finalité. On nous remettait l'ordre. Mm-hmm. On nous changeait le tableau. Mm-hmm. On nous changeait pour la situation. On nous fait un autre bagage. Et pour moi, c'est là qu'on allait. Mm-hmm. C'est là qu'on allait. Parce que, Mounio, quand il y a, il parle de courir encore, c'est pour camper faire face à un problème. Mm-hmm. Ça se passe. Levé campé lié tonton. Levé campé mm-hmm. lié tonton. Donc, on a mm-hmm. foc, nous, capables de joindre des mouns qui pour permettre nous, canaliser ça qui a passé là pour faire les sorties sous yon bagaille qui a reconstruit, fait nous, on l'autre mm-hmm. départ, fait nous, comme si remettre le pays à son l'autre. Mm-hmm. Merci, oui, Pédi. N'a pas vu l'inan, moun yon connaît, si vous voulez participer, nous mettez sous chat émission 1. Yon lien Zoom, ou a juste cliquer sur li et pour poser question. Nous gen plusieurs moun qui en attente. N'a pour se voir d'abord Marco Gracia. Marco, dis-nous qui côté ou écouter nous. Ouvre micro d'abord et puis poser question. Hein? Bienvenue dans An parler pour nous avancer. Bonsoir. Bonsoir Marco. Oui, m'écoutez nous au Cap. Ah, au Cap oui. Oui. Mon cher, ça fait nous plaisir. Ou si ma habitué à Pédi, ma vraie? Ou m'a dit non. D'accord. Qui sont bien pour dire non, Marco?
Oui, déjà, merci pour belle intervention, ça, hein, et qui entraîne dans la ligne droite à notre trois dernières émissions. Et vous voulez un petit bagage sur l'individualisme haïtien que Père parlait de lui. Et moi, je voulais dire que l'individualisme, nous, l'Aka haïtien, hein, eh bien, son bagage qui est créé et qui nourrit, son bagage qui vient comme ça. C'est vrai. Pour nous comprendre, il faut nous rappeler comment les ancêtres sont arrivés ici, là, et en Haïti. Ils ont pris tout partout. En Afrique. En Afrique. C'est, là, ils viennent avec eux, ils distribuent suivant que ne parlent pas les mêmes langues. C'est-à-dire, si ils parlent les mêmes langues, ils sont séparés. Si ils ont un lien de parenté, ils sont séparés. Donc, tout ça qu'ils mettent ensemble, ils sont séparés. Et contre, ça, si ils sortent dans la tribu rivaux, ils sont mettent ensemble. C'était en façon justement pour te créer individualisant la caille. De sorte que pour empêcher toute éventuelle révolte. Parce que pour révolter, pour ça, il faut que tu mettes ensemble. Maintenant, bah, ça a tellement efficace qu'après le fait que la parole des fruits, il y a un vide vraiment non individualisé, individualisé, pardon, qui est très prononcé. Et moi-même, j'allais jusqu'à dire que ouais, dans le cas d'haïtien, parler de division, le mot division n'est même pas approprié. Parce que diviser supposait que tu es un tout, tu es un ensemble. Or, dans le cas d'haïtien, nous n'avons jamais construit tout ça, nous n'avons jamais construit ensemble ça. Division, c'est même pas le bon mot. Et qui mot d'amitié ou même? Là, si vous voulez, c'est deux groupes de monde, nous coexister, mais nous pas cohabiter. Parce que travail que blanc-colon fait empêcher que nous cohabiter, justement. Mais c'est pour nous dire que c'est que nous-mêmes, nous ne pas faire rien pour nous corriger ça. D'accord. Et moi, j'allais jusqu'à dire que s'il y avait des alternatives individuelles à l'esclavage, on n'aurait pas fait 1804. Tout à fait. Ça me dit très fort. Après, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais le travail blanc fait tellement puissant, tellement fort. C'est pas. C'est moi qui fait qui mène la 1804 là. Son bagage est purement humaniste que lié. Nous, c'est humain. Bah, la femme est tout pour le même gens. Eh bien, nous, par l'autre choix que mettre nous ensemble contre ça. Mais pas ensemble entre nous. Ensemble contre. Contre ça. Et système là. Mais c'est pas entre nous. Et on pourra le voir que. Une fois que blanc parti, nous retournons dans la même situation. Dans la même division. Vous avez raison. Et avant. Merci. Maintenant, merci, Marco. Alors, continuez. Bon, OK. Vous mettez continuer. Pas la révolution. Même pas souhaité fini. Oui, nous avons tiré erreur que nous faisons dans la révolution nous avons fait en 1804. Qui est relié? C'est même question de division, oui. Nous, d'accord, nous avons fait la révolution, justement. Mais, alors, nous avons libre. Mais nous n'avons pas décidé qui ça nous a fait avec liberté. Donc, pas de sens commun avec liberté. Ce n'est pas juste mettre blanc dehors, mais là, au final, c'est qui ça a fait. Peut-être que nous avons peut-être quelques libertés, quelques perspectives d'avenir, mais pour la grande masse, ce n'est pas de ça. Vous parlez que, nous parlons de l'autre, et pour venir la théo, liberté veut dire réclamer bien. Papa, eux. Papa, vous êtes quitté. Donc, pour chacun, liberté a un sens. Donc, liberté n'a pas de gagner une effectivité sociale qui mettait dans sa nourrie là. Donc, ma profite dit que ce n'est pas religion le problème, non. Contrairement à sa nourrie là, ce n'est pas religion. Ce n'est même pas question de l'école là. C'est parce que vous avez avant que nous ne pas fait. C'est l'un que ça nous devons faire. Le nous haïtien, nous pas construit le nous haïtien. Le nous construit le nous haïtien, qu'on y a, nous a posé problème religion. Nous avons posé problème d'éducation. Mais il faut que nous arrivions à construire le nous haïtien et ça ne va jamais. Mais on ne peut pas penser que c'est l'école. Alors, moi, Père dit, vous voulez réagir. Non, allez, mais attendez, je vais montrer que l'école, c'est un vecteur de construction. De construction. C'est l'IC Menin là. Et il y en a un reproche que tu fais des salines, gens ou même qui bon dans bagaille ça, dans bagaille ça, surtout. Il y en a un reproche que tu fais des salines, c'est que tu es dos ou pas capable ou c'est même moun sa yo ou te mette deux en un pays ou parce que tu as marché sur ou après ça, ou c'est yo, ben responsable éducation petit. Tout à fait. Dans le sens. Donc, c'est clair.
L'arrivée en 1860 même, bon, nous tuer ça net. C'est clair. C'est clair. C'est que, qui côté ou changer mentalité? L'école. L'éducation, la citoyenneté, on va parler, la construction du nous. Côté pour le fait, c'est par l'éducation. Que c'est éducation de masse, que c'est éducation dans l'école, si vous développez des pratiques qui fait nous vivons après Chita. Et c'est ça que Castro fait. Bien. Vous comprenez? La religion contribue dans ce sens. L'auteur était qu'on dit, je n'ai qu'une âme qu'il faut sauver de l'éternelle flamme. C'est moi-même, c'est une âme moins que vous me sauvez. Vous m'acceptez Jésus comme sauveur personnellement. Oui. Vous m'avez dit un mot? Oui, oui. Vous m'avez dit un mot, oui. C'est Marco. Pas que non, éducation est importante. C'est pas que je dis pas important. Moi, je dis que le problème nous là, dans là, l'école nous est là, c'est pas le problème nous. Pour qui ça? Je me suis dit tout à l'heure, l'école ça là pour nourrir situation individuelle. Faut changer. Comme nous ne pas définir ça le blé hier, c'est voilà. C'est le donc, ça éducation pas l'important. D'où la question que nous devons poser, quelle école pour quel citoyen? Exactement. Voilà. Exactement. Merci pile Marco. Merci. Merci pile. Nous avons deuxième monde, c'est Achemi Gabriel. Achemi, ouvrez micro ou dis-nous qui côté à côté nous et puis poser question. Allô? Oui, allô? Ok, vous entendez moins bien? Oui, vous entendez, mais au grand petit bébé. Bon. Yeah, c'est vrai, il va bon continuer là. Mais c'est pas grave. Qui côté à côté nous à Chemi? Et Ohio, ma côté nous aux États-Unis. Et me féliciter émission et puis me féliciter docteur Eddy aussi. Et moi, je voulais faire une intervention moi, concernant la façon que nous avons dit. Je me sens que la révolution qui a supposé faite en Haïti est plus facile pour que nous-mêmes qui devons faire et supporter et peuple qui est en faire parce que nous avons pris toutes les âmes du peuple. Et nous avons utilisé des distractions. Moi-même, je laisse la distraction. Et par exemple, et monsieur dit comme ça que nous besoin des monde qui gagne volonté, moi même t'a dit et pas seulement volonté pour moun yo gagne parce que gagne en pile là nous gagne volonté mais nous pas arriver à terre. Nous pas arriver à terre parce que nous te dit ça déjà tout à l'heure, c'est parce que nous te dit parce que gagne des monde qui a pensé pour mettre nous dans ça que nous là. Nous même qui ça nous besoin pour nous faire ça pour nous faire. Nous besoin aussi par exemple, nous avons des gens qui ont fait débat pour l'émission, mais nous avons besoin de tout, dans le monde qui a fait débat pour des gens qui ont pensé à chaque action qui a été faite pour penser qui le mouvement nous va le faire pour ça. Donc, faut nous avoir des idéologues, des stratèges, et puis qui vous camper en place, qui vous fait travail là. Parce que lorsque moi-même, je dis, je prends toutes les âmes. Peuple là, c'est parce que peuple là, ils ont utilisé le système Machiavelli à souli. De temps en temps, ils ont utilisé l'amour, ils ont utilisé le bois de fer là. Vous comprenez? Et les gens qui ont voulu camper là, ils ont une pression. Par exemple, nous avons par exemple dans chaque leader que nous avons, chaque temps qu'on a commencé, l'autre président Aristide, il a commencé bien et vous regardez, ouais, il a brûlé. Ou garde ouais même président Martelly il est venu toute première année ouais genre il y a eu un gouvernement après ça ouais il est brûlé même président Jovenel Moïse ouais il a manifesté toute volonté il est brûlé ça veut dire que nous besoin si nous on attaquer grand monde n'a toujours enfoui dans travail là nous besoin des idéologues qui pour directement attaquer système chaque gros action qui fait et puis nous avons des monde qui capable faire des contre-attaques là qui va capable riposter merci en pile Achemi Paydi au besoin des monde qui pour penser moi c'est pendant qui réaction qui l'idée qui vient en tête moi par rapport à la question ça qui pour changer qui c'est monde qui a fait révolution c'est monde qui dehors et pas voir qui monde qui en dedans et ou pas qu'à faire ou pas qu'à faire comme ça na on dit que c'est monde dehors qui prend lead monde en dedans pas prendre si on fait comme ça logique là pour l'entrée il va dans logique de faiblesse et
moun ki ta ramen ou pa fanyen, la pa rentre an dan ti brèche sa, la démobiliser nou. Mais ça pour nous comprendre, c'est que c'est non lors d'une société de faire une présentation sur rôle diaspora dans le développement pays d'Haïti, etc., démontre que faut gagner l'autre mentalité entre de relation entre monde qui est dedans et monde qui dehors. Diaspora ta supposé être pour pays d'Haïti une grosse ressource. Donc sous ce côté pour la puiser, pour la chercher, ça le besoin pour une mettre avec monde qui est dans yo, parce que au diaspora a plus de bagages que le capoté, en plus de transfert que la voyez, 3-4 milliards de dollars. Et pendant ce temps, nous étions dans le même phénomène, ça nous relève syndrome Western Union. Syndrome Western Union, non? Yo montre, syndrome Western Union, non? C'est l'argent rentré. Mais il n'a pas changé l'économie. Il n'a pas changé rien. Parce que vous consommez et puis comme la tournée. Oui, justement. Et deuxième bagage, c'est que le créer une mentalité d'assistanat et de défense. Absolument, bien sûr. Yes. Bon, alors c'est pour dire que. En mentalité d'envoi-moi. Oui, tout à fait. Alors, ou capable, on a besoin de diaspora. Mais on a besoin de monde qui est dans le pays. C'est toujours non logique d'inclusion parce qu'il faut mettre tout le monde là-dedans. Parce que tu as parlé de tout à l'heure, c'est Marco qui t'est relé. Marco Gracia. Montrer que oui, comment faut diviser, non? Et depuis nous gain n'importe petite brèche qui fait que non yo, si là dit c'est les pour chef, si là dit c'est les pour chef, si là dit pour chef, monde qui parle nous changer à la petite. L'ennemi a pas traîné en mitan nous puis il changer nous. Il changer donc. Merci. Donc, on est dernier monde parce que déjà 8 heures, c'est Utz Pierre. Utz, ouvrez micro, dis-nous qui côté ou écoute nous. Ok, merci. Ma paix, profiter, saluer Dr. Pizeme et Peridi. Merci, Utz. Abondé dans le même sens avec nous, mais bon. Qui côté ou écoute nous, Utz? Ok, ma écoute nous aux États-Unis du côté de Philadelphia. Ok, merci. Yeah. Voilà. Réflexion, non, c'est qui ça? Je pense que le vrai problème pays, tant que j'en nous dis, c'est un problème de leadership. Et tant que j'en ai dit tout à l'heure, OK, diaspora, nous d'accord que nous avons pile haïtien qui est capable vraiment qui dans la diaspora, ou de nous, et en Haïti, tout qui a aidé. Mais le souci, c'est que faut un leader qui non seulement a inspiré mon confiance, mais faut un leader qui a tout une capacité. Pour mettre actionner ou utiliser à bon escient sa diaspora lui-même ni ka offrir. Parce que je dis à nous d'accord, Haïti dans situation liée là, gen pile haïtien capable à travers le monde. Mais est-ce que gon moun qui gen leadership assez pour drainer moun sa yo et pour donner le ton pour montrer dans qui ligne nous-mêmes comme peuple, comme société nous est supposé prendre. Mais même réflexion que m'gen c'est que parce que narratif là en réalité c'est pas comme une illusion, mais il n'est pas plus difficile de passer ça pour changer. Pas de trop longtemps, moi, allé en Colombie, moi, j'étais allé à Medellín, dans zone les communes à 13, ça n'était qu'à les communes 13, qui c'était une zone qui était plus, c'est franchement infréquentable pour même Colombien, voire. Non, mais parce que c'était zone Pablo Escobar. Justement. Mais est-ce que nous connaissons aujourd'hui, monsieur, communes à 13, c'est une zone qui a plus de touristes fréquentés? 1h, 2h du matin, moi-même personnellement, je vais aller visiter zone. Non? Ah, et c'est pas trop longtemps, non? C'était début des années 2000, bon volonté politique réelle pour te changer. Elle changeait aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on peut comprendre que le problème nous gagnons, c'est jouer un vrai leader qui a mené nous. Mais moi-même, souci, non, c'est qui ça lié? Tout ce qu'on a c'est dans ce qu'on a gagné. Ou pas qu'on a pas gagné. Tout à fait. Leader, ça. Faut que son leader non seulement ait une volonté politique, mais qui haïtien dans le vrai sens du terme. Le tout, on t'a parlé de l'éducation, de la religion. Quand même, leader ça a probablement son monde qui sorti et une famille haïtienne, non, ou bien qui t'es éduqué en Haïti, ou bien qui t'es, bref, qui t'es formaté par tout ça nous sommes cité là. De ça nous gagner, nous cache un leader ça qui non seulement a inspiré nous confiance. Mais qui a une volonté réelle pour changer la situation et qui a une capacité pour mettre tout Haïti ensemble
nous toute la donne pour essayer d'inclure tout le monde à ce que nous-mêmes nous n'ajoutons pas nos besoins. Nous n'ajoutons pas que nos besoins pour nous changer la société réellement. Moi-même, c'est sous cime là. C'est dans ce qu'on a un bail et qu'on a un jeune leader ça. Puisque c'est là le former, c'est les formater même gens. Comment nous faire identifier Mounsa et qui j'en Mounsa a tout cas les capacités pour inspirer une confiance, pour nous suivre lui et pour nous faire impact et ça m'a dit pour nous changer les conditions de la vie. Ma parole va être dit dernier mot, mais en réflexionnant, il est très juste, oui. Mais c'est là où l'histoire étonne nous. Yon moun tankou Makandal, li fait dans le système, nan, li élevé dans le système, nan, mais li campé contre le système. Nan. On nous fait un grand saut. Yon nèk tankou Toussaint Louverture, bon, ça pire toujours. Toussaint, fait esclave. Le lap gade autour de lui, c'est esclave. Toussaint est adolescent. Le Makandal levé campé dans la même zone, nan, li ou comment Makandal fini. Et pourtant, Toussaint prend position contre le système. Et puis, il mène mouvement révolution hein, jusqu'à Dessalines. Donc, c'est pas parce que, écoutez, on est avec Castro. Castro, c'est un fils du système, pas vrai? Papa Castro, très riche. Mais est-ce que ça t'a empêché de lever campé contre le système? Che Guevara est médecin, pas vrai? Est-ce que ça t'a empêché de lever contre le système? Pays dit ou met ajouté. Oui, c'est vrai, Jean. Et c'est là pour nous parler de question de leadership. Là. C'est que leader, ça, il n'a pas ajouté Pierre, son monde connaît très bien tout. Ah oui. Pierre, en plus de volonté politique, là, fait mon nagayé, ça me relie, c'est de qualité morale. Tout. Oui, parce que c'est fort crédible. Ah oui, fort, c'est de qualité morale, fait mon nagayé. Et pour faire que le palais, puis on prend le sérieux. Tout. Et sous bien comprendre, c'est que c'est en dans toute l'histoire où on joue ça. Lorsqu'il y a des institutions qui sont en crise, ou toujours joue des mondes qui pour camper exactement pour prendre position contraire. Et par exemple, nous, ouais, et d'après tout, on l'histoire sur l'Église catholique. Et où est-ce qu'on connaît toute congrégation ouais, qui font des c'est toujours en réponse à des crises de moralité, des crises de crédibilité que l'Église a gagné. Les jésuites, exemple. Et puis il y a des nègres, des garçons et des filles qui émergeaient, qui fondaient des mouvements qui proposaient un bagage qui est contraire à ça l'Église avait qu'on a dit. Donc, il va là pour la société. Il va là pour la société. On va toujours joindre des mondes lors d'une situation de crise, de déliquescence sociale, etc. Qui pour venir dire non, nous qu'à faire en l'autre gens et ou bien nous avons des groupes qui mettent ensemble avec eux et qui aident à changer le groupe. Donc, dans ça, on croit que je dis à gagner et les signes d'espoir. Voilà. Paydi, ramassez pour nous, on a terminé, nous-mêmes dépassé temps de 8 minutes. Oui. Merci Jean, pour disponibilité. Qui sont à dire nous en terminant? Ça m'a dit, le dernier mot que je dis là, c'est que yon peut pas qu'on disparaît. On peut pas qu'on disparaît. En plus, nan moun yo ka kite, y aller, puis y retourner, etc. Mais yon peut pas j'en disparaît. Même si elle, des fois, il prend coup, il tombe, il y a la terre, ou pile, mais la pleuve. Et je dis à papa, il s'est montré nous ça, c'est que au lieu que le courir, qu'on y a décidé pour camper. Il suspend de courir le campé. Et puis il dit, on prête à faire confrontation. Yes, qu'on a ça pour nous faire, qu'on a ce qui leadership qui va émerger dans ce sens ça, pour faire que ça l'a cherché, que le joint pour vivre dans le cœur posé, pour vivre dans chercher développement, pour qu'il soit accès à tout ça le besoin comme service de base, pour vivre comme un peuple, tant que tout peuple qui a une dignité et qui mérite pour nous traiter le temps que un peuple. Paydi. Zami, nous frères, nous, mais sans pile, Fondi Klasa Swea, il y a à peine une dizaine d'heures, pays dit yon avion sorti bien loin, dans le pays Lesotho, ensuite pays Afrique du Sud, à peine li atterri, nous mettez la patte sous lit pour le participer, sans pile. Gros du thé gingembre qui met au campé parmi nous là, Paydi. Merci, Jean. Merci en pile pour disponibilité. Continuez à apprendre et partager avec peuple et l'autre peuple tout ça que vous découvrez pour aider nous grandir ensemble. Merci en pile.
Merci, merci Jean. À la prochaine. À la prochaine. Merci, au revoir. Okay, d'accord. Remercier tout le monde qui était fidèle à la chaîne. Jusqu'à présent, nous souhaitons bonne nuit, bonsoir, dépendamment que toi écoutez nous. Et à dimanche pour nous continuer l'analyse là, sous même chaîne ça, 9h. Au revoir. Bye bye.